Salut tout le monde. Salut à tous. Salut. Voilà, c'est Antoine, Tesa, pour tes expériences. Donc on va aujourd'hui interviewer un chercheur. Donc ouais, Benjamin. Donc on se connaît depuis quelques années maintenant. Hein, 10 ça ans, fait 10 ans. 11 ans même. Ouais. On était en école d'ingénieur ensemble. Et du coup, il passait à la maison. Donc je me suis dit tiens, je lui parlais un peu des projets. Et est-ce que il me dit est-ce que chercheur c'est c'est atypique. Je dis, ouais, grave. Donc, donc voilà. Donc, l'idée, c'est de pouvoir interviewer donc Benjamin pour comprendre un peu son quotidien, son activité. C'est en fait, en gros, l'interview, elle se passe en plusieurs parties. D'abord, une partie un peu contexte pour comprendre un peu ça. Ensuite, une partie un peu sur les émotions. Et à la fin, on construit ensemble une journée type, hein, le quotidien, ton quotidien, en fait, pour essayer un peu de creuser, de voir concrètement qu'est-ce que ça veut dire être chercheur. Voilà. Donc voilà un peu l'idée. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Je ne sais pas si sur le chat vous êtes là. Je vais mettre un petit. Bon, de toute façon, j'ai dit bonjour. Et voilà un petit peu. Donc écoute, je te propose de commencer, Benjamin. Très bien. Première question. Qui es-tu et quel a été ton parcours avant d'arriver à ton métier actuel? Donc, comme a dit Antoine, je m'appelle Benjamin Clément. J'ai fait, alors si on repart depuis très loin, j'ai fait donc une terminale S pour ensuite faire un parcours de prépa maths sup, maths spé. Et ensuite, donc j'ai fait une école d'ingénieur en cognitique, donc orientée autour de l'intelligence artificielle, les interactions homme-machine et ce genre de thématiques. Et en troisième année, donc d'école d'ingénieur, j'ai fait mon stage dans un laboratoire de recherche qui est le laboratoire dans lequel je suis toujours, qui est donc l'INRIA de Bordeaux. Sur la thématique donc de l'utilisation d'intelligence artificielle au sein de technologies éducatives. Voilà, c'est toujours mathématiques de recherche et je travaille toujours là-dessus, car c'est une thématique que je trouve très intéressante et très importante pour l'avenir. Donc tu nous parles du coup de méthode éducative, non méthode De technologies de éducatives, j'ai technologie parlé. éducative. Ok. Oui. Concrètement, ça veut dire quoi? Alors concrètement, bon, les technos, enfin, quand je parle de technologie éducative, c'est un peu un terme à moi. Il y a plein de termes au sein de la littérature qui sont consacrés à ça. On peut parler à la donc d'ITS pour Intelligent Tutoring System. Donc en français, ça donnerait système tuteur intelligent. Ou en français, il y a aussi le terme utilisé qui est EIH, dont je ne connais plus la nomenclature Ouais. exacte, et qui sont en fait des termes pour regrouper donc les systèmes tuteurs intelligents, c'est un peu, ce sont les donc des systèmes, des logiciels en général, qui sont utilisés et qui sont développés afin de pouvoir permettre à des étudiants, enfin à des élèves, des étudiants, d'apprendre des notions, d'apprendre des compétences, d'apprendre des savoirs de manière optimisée, c'est-à-dire en utilisant l'état actuel des recherches à la fois en éducation, mais également en intelligence artificielle, également sur tout ce qui est donc interface, comment voilà, donc d'exploiter tous ces domaines de recherche afin de proposer des systèmes pour permettre à des apprenants d'apprendre le mieux possible sur les systèmes variés. Et donc, mon domaine de recherche particulièrement, c'est l'utilisation d'intelligence artificielle afin de personnaliser des parcours pédagogiques. Donc, c'est-à-dire l'idée, c'est si on a différentes activités que l'on veut proposer à un élève pour, imaginons, lui apprendre l'addition, les soustractions, les multiplications, etc. On a tout un ensemble d'exercices qu'on peut proposer avec différents niveaux de difficulté, avec voilà, différentes formes, différentes manières de proposer les problèmes. Et donc le but va être c'est de trouver quel va être le prochain exercice à proposer afin que l'élève apprenne le mieux. Et ainsi de suite, de proposer les exercices, ainsi de suite, pour faire en sorte qu'un apprenant apprenne le mieux possible. Ok. Voilà. Je ne sais pas si c'était clair. Alors, j'ai plusieurs questions. Donc déjà, tu as Ok. parlé d'élèves et d'apprenants. Oui, Moi, c'est un peu. quand je pense à élèves, je pense à jeunes, enfants ou adolescents. Donc, est-ce que toi, tu as une cible particulière ou est-ce que ça peut être n'importe qui, comment ça se passe? Alors moi non, c'est pour ça qu'en fait je suis reparti sur le terme d'apprenant, Ouais. parce qu'en fait élève souvent ça va plutôt être pour l'école, alors qu'en fait en soi nos les systèmes qu'on développe ça peut être pour chacun à la maison en fait. Par D'accord. exemple ça peut être quelqu'un qui a envie d'apprendre tout seul quelque chose, et donc il peut aller par exemple aujourd'hui on a tout ce qui est les MOOC, tu dois connaître.
Donc les MOOC font partie des STI et des, du domaine des systèmes du temps intelligent et des technologies éducatives en fait. Les Serious Games aussi. Donc tout ça en fait, ça fait partie de ce qu'on appelle un peu, voilà, de ce que moi j'appelle les technologies éducatives. Et donc moi non, ce sur quoi moi je travaille actuellement en fait, c'est appliqué. Donc le domaine d'application actuellement, c'est des élèves à l'école, mais ça pourrait être tout à fait utilisé pour des gens à la maison. Voilà. Ok. Et donc, en fait, pour moi, la notion de recherche, c'est quelque chose qui est très vague. Mmh. J'ai en tête la notion de recherche, et je sais, j'ai l'impression qu'en fait, toi, tu crées quelque chose qui puisse être utilisé derrière. Et moi, dans mon esprit, la recherche, c'est un peu sur de l'invention, sur des choses qui sont... Enfin, tu vois, c'est un peu naïf, hein, mais où ça n'a pas forcément une utilisation directe. Qu'est-ce que tu peux me dire, toi, par rapport à ça? Alors, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que dans beaucoup de domaines, en fait, la recherche est très théorique et très fondamentale. Et donc, en fait, il y a plusieurs types de recherche. Tu as la recherche fondamentale et tu as la recherche appliquée, typiquement. Donc l'idée donc l'un des domaines, entre guillemets, dans la recherche fondamentale qui est les plus abstraits et que les gens, par exemple, s'imaginent beaucoup, c'est par exemple l'astrophysique ou les mathématiques fondamentales, etc. Et où, en fait, si on n'est pas du domaine, c'est très compliqué de se raccrocher à ça. Okay. Mais en fait, aujourd'hui, la recherche, c'est un peu dans tous les domaines, en fait. Il y a de la recherche en marketing, il y a de la recherche en design, il y a de la recherche donc en intelligence artificielle particulièrement, mais aussi de la recherche en biologie, il y a de la recherche en histoire, il y a de la recherche, voilà. En fait, il y a de la recherche dans, je pense, tous les domaines. En art, il y a aussi de la recherche en art. Et donc, en fait, la recherche, c'est plus une démarche qu'un domaine, en fait. Donc, en fait, quand on parle, moi, quand je parle de recherche, en tout cas, et je pense que c'est la plupart de ce qui est chercheur, en fait, on parle d'une démarche, et donc qui est dans mon cas la démarche scientifique. Quelqu'un qui va faire de la recherche en histoire ou qui va faire de la recherche en art n'aura pas la même démarche que moi. C'est-à-dire que moi, je fais de la recherche donc en science. Et en science, donc, le but de la recherche est de découvrir des nouveaux savoirs ou des nouvelles connaissances ou des nouveaux faits. Donc de les découvrir, de les vérifier, donc d'émettre des hypothèses vis-à-vis de ces nouveaux faits, de ces nouveaux savoirs, d'éprouver ces hypothèses au travers d'expériences. Donc on met en place des expériences avec des protocoles afin de vérifier ces hypothèses. Et si l'hypothèse est vérifiée, alors on amène une nouvelle brique de savoir à, entre guillemets, la montagne de connaissances de l'humanité qui est aujourd'hui construite depuis maintenant des millénaires grâce à l'invention de l'écriture. D'accord. Et avant ça, même par les savoirs oraux, mais qui aujourd'hui, on arrive à pouvoir construire du savoir, à construire de la connaissance grâce à tout ça. Et donc voilà. Pour moi, c'est ça la recherche. Le but est de faire progresser l'humanité et de la connaissance de l'humanité en général. Okay. La recherche publique. Évidemment, on ne parle pas de recherche industrielle ou de recherche privée, hein, où le but, c'est faire l'argent. Je vois l'idée. Bah là, tu nous as parlé de recherche. Toi, qu'est-ce que ça t'évoque, du coup, si on va plus sur ton métier, le métier de chercheur? Ben, du coup, le métier de chercheur, c'est donc celui qui produit cette recherche, celui qui fait cette recherche et qui va donc produire ce savoir, en fait. Donc pour moi, le métier de chercheur, c'est... On est vraiment au cœur de la création de nouveaux savoirs et donc de la découverte de nouveaux savoirs et nouvelles connaissances. Et donc ça englobe énormément de différents process et différents aspects, puisqu'il y a déjà connaître le domaine dans lequel on veut faire de la recherche, puisque si on ne connaît pas le domaine, en fait, on ne peut pas savoir se positionner, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il y a à découvrir, en fait. Puisque si on se dit « Ah, je vais rechercher là-dedans », mais qu'on n'a pas fait de recherche préalable pour savoir qu'est-ce qui existe déjà, ben on peut soit retrouver des choses qui ont déjà été trouvées, soit tenter des choses qui ont déjà été tentées et qui ne sont pas révélées pertinentes, ou en tout cas, voilà. Donc, premier point, ça c'est très important. Ensuite, une fois qu'on connaît donc le domaine dans lequel on va faire de la recherche et qu'on a pris connaissance de l'état, donc on appelle de l'état de l'art d'un domaine, on va ensuite poser des hypothèses vis-à-vis de ce domaine. Par exemple, moi, dans mon domaine, typiquement, ça va être une hypothèse, ça va être, par exemple, tel algorithme utilisé dans telle application va permettre aux élèves de mieux apprendre. Voilà, une hypothèse classique.
Et ensuite, il va falloir mettre en place un protocole expérimental afin donc de valider ou d'invalider cette hypothèse. Donc pour ça, ça veut dire donc un protocole expérimental, on va concevoir une expérience dans laquelle on va devoir mettre en place des mesures afin donc de mesurer ce qu'on veut savoir. Donc typiquement, dans mon cas, on va vouloir mesurer l'apprentissage des utilisateurs de l'application, par exemple. Et donc, on va devoir faire ensuite de la passation d'expérimentation. Donc moi, c'est un peu particulier parce que je travaille donc dans la recherche avec des humains. Donc il faut avoir, c'est des protocoles particuliers. On va pas travailler de la même manière donc dans mon domaine de recherche que dans des domaines, par exemple, purement informatiques, où tout se passe sur ordinateur et où donc les expériences n'ont pas les contraintes en fait du travail avec des humains, etc. Donc une fois qu'on a créé le protocole, on fait les passations d'expérimentation. Donc les sujets, ce qu'on appelle donc les sujets expérimentaux, passent les expériences. On fait les mesures. Pardon. À la fin des expériences, on va donc prendre toute la donnée qui a été créée, la traiter, l'analyser, et voir si donc l'hypothèse est validée ou pas. Est-ce que mes sujets ont appris ou pas, ou en tout cas ont plus appris qu'en général on a aussi ce qu'on appelle une condition de contrôle qui permet en fait de valider la condition l'hypothèse qu'on veut valider ou invalider. Donc voilà. Et une fois qu'on a fait ces mesures, une fois qu'on a le résultat, la dernière partie du travail de chercheur est donc de publier ces résultats, qui est une partie très importante car si on fait de la recherche mais qu'on le dit à personne, ben ça sert pas à grand chose. Hein, si on découvre quelque chose de nouveau et que personne n'est au courant, on perd un peu l'intérêt de la démarche initiale. Et donc ça se fait comment ? Ça se fait en écrivant donc des articles scientifiques dans des revues, dans des conférences, qui vont donc décrire les protocoles expérimentaux qu'on a fait et les résultats qu'on a pu obtenir. Voilà. Donc voilà, ça c'est un peu tout le process du travail du chercheur. Peut-être un peu simplifié, mais voilà, dans l'idée. Ok. Donc, d'abord, connaître le domaine, poser des hypothèses, tout à fait. Faire le protocole, tout à fait. Faire passer les expériences, tout à fait. Ensuite, les décrire, analyser les résultats, les analyser, dépouiller, dépouiller les résultats, ouais. Voilà. Dépouiller et puis publier. Et puis publier, tout à fait. Ok. Ce sont toutes les grandes étapes qu'un chercheur doit faire durant son travail. Ok. Alors, il y a un bruit de fond. Ah. Donc peut-être, ouais. Il y a un bruit fort. Ok, ok. Ok, comme ça c'est mieux peut-être. Un bruit fort. Okay. C'est parce que je me tourne vers toi, je pense, et du peut-être. Coup je suis juste okay. Devant. Merci. Je peux souffler devant, merci. Je pense. Allez, corne. Merci. Merci pour le retour. Donc j'espère que ce sera bon pour la VOD. Ok. Donc ça marche. Donc tu nous as décrit là tout le protocole. Et est-ce que, donc, tout le protocole, et tu nous as dit aussi que pour toi, la recherche, ça permet d'apporter de la connaissance à l'humanité. Tout à fait. C'est donc la recherche publique. Tout à fait. Donc toi, tu fais de la recherche publique. Tout à fait, je fais de la recherche publique. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les différences de la recherche publique et de la recherche privée ? T'as l'air d'être... Alors aujourd'hui, de toute façon, il y a énormément de toute façon aujourd'hui de recherche publique qui est financée par des fonds privés, ouais. Qui vont du coup être exploités évidemment par des entreprises, etc. Hein, ce qui n'est pas un mal en soi, hein, loin de là de ce que je veux dire, mais c'est par contre ce qu'on va appeler par exemple la recherche et développement en entreprise ne va pas avoir la même vocation que la recherche publique, qui a donc pour vocation de faire des expériences, développer, publier. La recherche dans le privé déjà ne va pas forcément va potentiellement faire beaucoup moins d'étapes. Déjà l'étape d'état de l'art ne sera pas fait de la même manière, ça va plutôt être un état de l'art sur qu'est-ce qui est déjà fait en entreprise, donc ça va être une analyse de brevets, ça va être une analyse de ce genre de choses, ou même de voilà qu'est-ce qui a pu être fait, etc. Et ensuite le but de la recherche dans le privé, ça va être pour développer des produits. Donc le but va être de développer soit des technologies, soit des nouveaux savoirs, soit des nouveaux savoir-faire, mais qui ont pour vocation de, in fine, d'être commercialisés. Okay. Contrairement à la recherche publique, où le but est vraiment, le but est vraiment créer du savoir. C'est-à-dire que l'idée, alors c'est de moins en moins vrai, mais
à l'origine, les chercheurs, quand on devient chercheur, donc c'est-à-dire quand on devient employé fonctionnaire chercheur, on a une certaine liberté dans les sujets qu'on veut aborder, normalement. Même si, entre guillemets, justement, ils n'auront pas d'utilité commerciale. Ils ne pourront pas faire d'argent. Donc ça, c'est quelque chose qui est de moins en moins vrai aujourd'hui, comme dans énormément de choses publiques, hein, comme l'hôpital, comme énormément de domaines publics. On commence de plus en plus à avoir des contraintes de rentabilité, hein, en recherche. Donc c'est-à-dire que la recherche va être orientée par qu'est-ce qui, in fine, permettra de générer de l'argent, qu'est-ce qui permettra d'être commercialisé. Donc voilà, donc c'est deux différences, enfin une des différences majeures, et que surtout la recherche privée n'amène pas forcément à des publications accessibles à tous, c'est-à-dire que, ou en tout cas pas de suite, c'est-à-dire que par exemple si on prend quelque chose que moi je connais, plus simple, donc dans le domaine de l'intelligence artificielle, je pense que tout le monde connaît que Google aujourd'hui est un acteur énorme de l'évolution des technologies et de l'intelligence artificielle, et ils font en fait énormément de recherches dans ce domaine-là, via une de leurs entreprises qui s'appelle DeepMind, qu'ils ont acheté. Donc DeepMind aujourd'hui est un des plus gros acteurs, entre guillemets, ben voilà, du domaine de l'intelligence artificielle, et ils vont en général pas publier leurs résultats tout de suite, ils vont attendre un certain temps, potentiellement pas tout publier d'ailleurs, publier que certains résultats, et pas forcément de manière très claire. Donc voilà. Donc c'est la différence avec la recherche publique où il y a quand même une volonté de faire en sorte que ce soit reproductible. Donc ça aujourd'hui c'est devenu une question qui est très importante dans la recherche. C'est-à-dire que les résultats qu'on montre, donc entre guillemets, voilà, on dit qu'on a trouvé quelque chose, et bien le but c'est que les gens puissent reproduire ces résultats. Donc pouvoir refaire les expériences, etc. Donc la reproductibilité aujourd'hui est vraiment une question qui est au cœur de beaucoup de domaines de recherche. Donc, voilà. D'accord. Alors, donc, du coup, ce que tu dis là, c'est que si le but, c'est d'apporter du savoir... Bon, je vais apporter mon micro. Si le but, c'est d'apporter du savoir en plus, ça veut dire qu'il n'y a pas de concurrence entre les différents pays et que toi, en fait, finalement, la recherche publique, c'est un peu mondial? Bah, moi, j'aimerais bien, oui. Moi, j'aimerais bien le voir comme ça. Après, moi, au sein de mon laboratoire, par exemple, je me rends pas très compte. Après, je suis pas directeur de mon laboratoire, hein, ouais. Évidemment. Je suis un petit, entre guillemets. Ouais. Je suis encore celui qui justement crée les nouveaux savoirs. Je fais pas encore politique, parce que au bout d'un certain temps, il y a quand même des questions politiques qui entrent en jeu. D'accord. Typiquement, pour avoir des financements dans la recherche. Okay. Et ben voilà, c'est parce que donc en fait, aujourd'hui, la recherche c'est quand même une très grosse course au financement. C'est-à-dire que entre les laboratoires, etc., qui est-ce qui va décrocher tel financement pour une thèse, tel financement pour un postdoc. Donc, un postdoc, ce sont des postes qui sont pourvus par des gens qui viennent d'avoir leur thèse ou il n'y a pas longtemps, qui ont déjà fait peut-être un ou deux postdocs. Voilà. Et donc, l'idée, c'est qu'en général, ce sont des postes qui vont permettre de préparer en fait, sa carrière de chercheur en travaillant dans d'autres laboratoires que le laboratoire dans lequel on a fait sa thèse. Donc la thèse qui est la pierre angulaire donc, du chercheur, puisque c'est ce qui va permettre de lancer sa carrière, c'est le doctorat. Okay. Hein, c'est ce qu'on appelle communément le doctorat, bac plus 8, dans le jargon. Et donc oui, vis-à-vis de ces questions-là, en effet, il y a quand même, je pense, des enjeux politiques énormes d'un point de vue de la recherche, donc d'un point de vue international. Il y a de la concurrence aujourd'hui, d'ailleurs. Je pense qu'on a vu, il y a eu des choses sur le fait que le gouvernement a annoncé des financements pour la recherche en intelligence artificielle, la recherche dans certains domaines, pour devenir un peu, pour essayer de se positionner très vite en tant que leader dans ces domaines-là. Car en fait, la recherche publique amène quoi qu'il arrive, toutes les découvertes créées par la recherche publique, s'il y a des choses qui sont exploitables d'un point de vue commercial, ça le sera. C'est-à-dire qu'en fait, la recherche publique créée va être exploitée par les entreprises françaises, par exemple. Aussi potentiellement par d'autres entreprises, mais vu que les entreprises peuvent directement contacter les laboratoires pour essayer de travailler avec eux, il peut que quoi qu'il arrive, y avoir des accords. Moi, ce que j'ai fait pendant le travail que j'ai fait pendant ma thèse et pendant les années où j'étais à mon laboratoire, aujourd'hui, on fait du transfert pour que ça soit utilisé dans un projet
dans un projet national avec donc plein d'entreprises pour créer une plateforme pour les, pour les écoles. Et donc on travaille en lien, voilà, étroit avec des entreprises. Et donc voilà, c'est ce qu'il faut. Hein. Le but, c'est quand même que ce qu'on crée comme produit soit exploité. Mais ce qu'il faut aussi pas oublier, c'est que c'est issu du contribuable. Hein, donc on est payé par le contribuable. Et donc c'est important que si des entreprises exploitent, enfin, et aussi les entreprises, elles payent des impôts aussi, évidemment. Mais voilà, si elles exploitent ce qui est créé par la recherche, faut pas oublier que voilà, c'est pour ça qu'ils payent des impôts. Hmm. C'est important de ça. Ok. Ok, donc vaste sujet. Donc ce que je comprends, c'est que la recherche publique permet, enfin n'empêche pas d'être exploité par des entreprises derrière. Pas du tout. Et que... va l'être si il y a des potentiels commerciaux et des potentiels. Voilà. S'il y a, comme on peut le dire, un marché, ouais. Voilà, ce sera exploité. Ok. Ça pour, et ça, c'est une vocation aussi. Puisque si jamais on crée juste du savoir qui n'est pas utilisé, ben, il ne va pas servir au final à l'humanité. Il faut quand même que... Et le but des chercheurs n'est pas d'exploiter le savoir qui a été créé. Okay. Le but des chercheurs n'est que de créer ce savoir. D'accord. Derrière l'exploitation, c'est justement les entreprises, les entrepreneurs, etc. C'est à eux de faire ça. Ok. Donc là, en fait, ce que je te propose, c'est de rentrer un petit peu plus, toi, dans tes expériences. Donc, de pouvoir, en fait, me parler un peu de tes émotions par rapport à ce que tu as déjà vécu. Donc, toi, dans ton métier, dans ton activité, quel serait pour toi un moment de grande joie, en tout cas de grande satisfaction, que tu as pu vivre, si tu dois en donner un? La soutenance de thèse. Soutenance de thèse. C'est quand même, c'est quand même dans la carrière d'un chercheur, c'est un des moments très importants, puisque c'est un peu l'un des moments fondateurs quand même. Ouais. C'est le moment où on va être reconnu en tant que chercheur, c'est-à-dire c'est le moment où on va dire que donc une thèse, c'est 3 ans, c'est 3 ans de travail sur une thématique. Et on écrit un manuscrit sur cette thèse. Donc moi, par exemple, ce manuscrit faisait à peu près 100 pages. Dont le but est de décrire donc tout le travail, tous les protocoles qu'on a pu mettre en place, toutes les expérimentations qu'on a fait, comment ce travail se place vis-à-vis de la littérature et donc vis-à-vis des autres au sein de ce même domaine. Et donc la soutenance ensuite, c'est un travail, donc c'est un exercice formel où on a un jury devant lequel on passe, devant lequel on fait une présentation de 45 minutes, donc pour exposer le travail qu'on a fait, et avec ensuite un temps de questions, entre guillemets pas illimité, mais il n'y a pas de limite de temps spécialement. Donc le nombre de questions dépend de l'intérêt du jury. Donc moi par exemple, ils m'ont cuisiné pendant à peu près 2h30, je crois, quelque chose comme ça. Ah ouais. Donc c'était assez long. voilà, ils ont fait quelques tours de table. Mais c'est bien parce que ça montre qu'ils sont intéressés. Ça montre, en général, en fait, avoir beaucoup de questions, ça dépend, mais c'est souvent une bonne chose en fait. Ouais. En tout cas dans mon domaine. D'autres domaines ou pas forcément, parce que y a des domaines où en fait les questions sont compliquées parce que pour répondre à vos questions qui pourraient être posées, il faudra faire une autre thèse. Donc voilà. Mais voilà, et ensuite, bien évidemment, le jury donne sa réponse. Donc on est docteur, et voilà, c'est super, on fait la fête. Voilà. Et donc quand même, c'est beaucoup d'émotions, parce que le travail d'écriture du manuscrit prend plusieurs mois, c'est l'aboutissement de plusieurs années de travail. Voilà. Donc c'est un des moments, évidemment, pour ma carrière où on a beaucoup de joie. Quoi. À quel moment ça t'a marqué ? Est-ce que c'était quand tu le passais ? Est-ce que c'est au résultat ? C'est quoi le moment ? Alors, il y a plusieurs moments. Il y a le tout début. Ouais. Le stress de se lancer, ouais, évidemment, chaud, lorsque voilà, on part. Donc, le tout début de... voilà, le lancement, le début. Pour les questions, il y a plusieurs moments aussi qui sont assez forts en émotion, puisque j'ai passé mon oral en anglais, plus, donc ce qui est pas mal en métal, donc qui me donne en plus un peu plus de stress. Mais donc il y a des questions qui étaient très intéressantes, et donc moi ça m'a marqué aussi, parce que les questions intéressantes, c'est des choses qui m'intéressent énormément, donc ça marque aussi. Et puis bien évidemment, le moment où on a débouché les champagne quand ils ont dit que j'étais docteur. D'accord. Donc pendant la soutenance, il y a eu tous ces moments-là. Ouais. Donc effectivement, à la fin, quand ils te disent félicitations, vous êtes docteur, c'est C'est à l'issue
Des deux heures et une question qui te dit ça? À l'issue des deux heures et une question, on sort de la salle, le jury délibère, d'accord, il y a délibération du jury pendant plusieurs minutes. D'accord. Où, voilà, où ils se disent, bon, bah, est-ce que c'était bien, est-ce que c'est pas bien. Bon, en général, ça arrive très rarement que quelqu'un passe sa soutenance et qu'on lui dise non. C'est-à-dire que normalement, vu qu'on a un directeur de thèse, hein, on ne passe pas une thèse, il y a un encadrant, et en général, on ne passe pas sa soutenance si, entre guillemets, on n'est pas prêt. D'accord. Mais après, voilà, il peut y avoir plus, ça peut être plus ou moins bien quand même, ça peut être... voilà, ils peuvent dire plus ou moins de choses en fonction de ce qu'ils voient comme impact au niveau quand même du domaine, de à quel point est-ce que ça peut être exploité, justement, au sein de la société, etc. Voilà. Ok. On a Alicorne qui nous demande, est-ce que c'est toi qui choisis le sujet? Alors, ça dépend. Alors, est-ce que tu choisis le sujet? Alors, il y a plusieurs cas. Il y a le cas où un laboratoire émet un sujet. Donc, on poste comme une offre d'emploi, hein, exactement pareil, avec un sujet de thèse, et les candidats peuvent répondre à ce sujet, il y aura des entretiens, et le ou les directeurs de thèse choisissent le candidat en fonction de comment est-ce qu'ils sentent vis-à-vis du candidat, comment est-ce qu'ils se disent, est-ce qu'il a les compétences pour, etc. Et après, il y a des candidats qui peuvent avoir ce qu'on appelle des bourses blanches ou bourses ministérielles. Donc à la fin de leurs études, par exemple à Polytechnique ou à l'École normale supérieure, on peut avoir donc des bourses. Et donc là, le candidat peut émettre son propre sujet et donc chercher des laboratoires qui voudront le prendre pour travailler sur la thématique. D'accord. Donc en général, c'est assez simple, puisque en fait, avec la bourse, le candidat vient avec, entre guillemets, son argent. Donc le laboratoire n'a rien à débourser. Donc il n'y a pas de question de financement, justement, dans ces cas-là. Et donc dans ces cas-là, le candidat est libre, tout à fait, de faire, entre guillemets, ce qu'il veut. Après, évidemment, il y a du retravail, du recadrage par les encadrants potentiels de thèse, par les directeurs de thèse, puisque, bon, on peut avoir une idée de sujet, mais on est jeune quand même, hein, en général. Hein, c'est-à-dire que quand on démarre une thèse en France, on a en moyenne entre 23 et 25-26 ans. Alors, il y a des gens qui démarrent plus vieux parce qu'ils ont fait d'autres choses avant, etc. Mais voilà, donc en sortie de master, quoi, souvent. Et donc, voilà. Donc du coup, en gros, il y a soit les laboratoires qui ont un sujet et tu t'inscris dedans, soit c'est toi qui amènes ton sujet. Tout à fait. Toi, tu étais dans quel cas? Dans le premier cas. Le laboratoire. Donc, tout à fait. Et donc, tu as... Okay. Donc, moi, c'est donc, comme je disais, celui où j'ai fait mon stage de fin d'études. Ouais, bien sûr. Et donc, c'était en fait dans la prolongation de mon sujet de stage. Voilà. Et donc, j'ai continué. Voilà, on a un peu construit le sujet ensemble, mais c'était sur la thématique sur laquelle je travaillais déjà, etc. Alors, INRIA, ça veut dire quoi, pour rappel pour... Alors, ça veut dire Institut National... Et la colle. Institut National de Recherche en Informatique et Automatique. D'accord. Donc ça, c'était historiquement le nom, ouais. Mais aujourd'hui, INRIA, en fait, c'est devenu le nom, tout seul. Alors, entre guillemets, aujourd'hui, normalement, on ne dit plus l'Institut National. Ok, voilà. C'est un institut, en tout cas, sur l'informatique. Informatique et automatique, mais il y a aussi des matapli, etc. On a Ariana qui nous demande la bourse, tu l'obtiens comment? Comment? Pour les gens de Polytechnique et d'ENS, c'est directement lié à leurs écoles, je crois. Enfin, ils ont des demandes en interne pour s'ils veulent faire une thèse, qui leur permettent de faire les demandes. En général, ils les ont. C'est toujours, bien sûr, en fonction des résultats, etc. Hein, mais la plupart de ceux que je connais ont eu leur bourse. Sinon, après, en fait, il y a aussi des bourses régionales, je crois, et départementales. Sur lesquels il faut candidater. Donc, par exemple, en fin de master, si tu veux faire une thèse, tu peux trouver. Faut trouver des gens avec qui, donc par exemple, des chercheurs ou des directeurs de laboratoire, des choses comme ça, qui vont orienter les gens pour avoir les bourses. Mais alors, je ne suis pas sûr que là, tu. Entre guillemets, là, en fait, il faut prévoir le sujet à l'avance pour avoir cette bourse, je crois. Okay. C'est-à-dire que tu vas, par exemple, créer le sujet avec un directeur et tu vas postuler en tant que candidat avec quand même le sujet que tu voudras, mais il faut que, je crois, quand même, il y ait un encadrant ou en tout cas quelqu'un qui supporte le sujet. Ok. Voilà.
Alors, on va revenir sur notre partie émotion. Donc, la joie, c'était le passage, donc comment dire, l'excitation du passage et puis le soulagement de, finalement, ouais, de l'annonce. Après, il y a eu d'autres moments. Oui, oui, c'est ça, mais un ouais, moment, en tout cas, j'imagine qu'il y a un moment. On va en reparler après, d'ailleurs. Et si maintenant, on va plutôt aller sur la thématique de la peur. C'est quoi un gros moment de flip que tu as pu avoir? Je pense que le plus gros moment de flip que j'ai pu avoir, c'était donc au moment où je faisais passer des expériences donc, dans des écoles. Donc, moi, j'ai fait donc, passer des expériences dans les écoles, donc j'ai dans des classes dans lesquelles je faisais donc, jouer des enfants sur les tablettes, auxquelles, donc, c'était sur une application pour apprendre un peu les maths, à compter, etc. Et donc, en fait, pendant plusieurs semaines, ça buguait. Mon logiciel buguait, j'arrivais pas à résoudre mon problème. J'ai passé plusieurs nuits blanches, voilà, j'ai pas beaucoup dormi pendant quelques jours, donc c'était un petit peu compliqué. Et je suis arrivé, et ils arrivent, ils jouent, et au bout de 10 minutes, ça plante, tout plante. Voilà. donc là, en plus, j'avais pas dormi, donc j'étais pas bien du tout. Donc voilà, donc toute cette phase-là, voilà, il y a eu beaucoup de peur, beaucoup de stress, ça va pas marcher, etc. Bon, et puis après, j'ai réussi à, donc on a reporté, donc les 3 jours suivants, j'ai réussi à résoudre mon problème, et après, l'expérience a roulé sans problème. Et voilà, donc typiquement, voilà, quand on fait des expériences comme ça, parce qu'en plus, c'est très, comment dire, c'est très compliqué et gourmand, parce que en fait, on doit mettre en place un planning avec toutes les écoles, donc en fonction de quand est-ce que les classes peuvent le faire, etc. Donc reporter, c'est compliqué. Donc voilà, donc c'était vraiment, donc dans ce genre de cas, c'est vraiment compliqué. Dans les expériences, enfin en fait pendant toutes ces phases-là d'expérimentation, donc qui peuvent durer longtemps, c'est-à-dire que moi sur toutes mes années, j'ai travaillé, j'ai fait passer 1000 élèves, donc sur 3 sessions de, donc 3 sessions d'expérimentation, une session où j'en avais 600, qui est la dernière, qui était pour la dernière expérience de ma thèse, celle d'avant, on en avait 400, je crois, un truc comme ça, en 2015. Donc voilà, donc celle-là, ça fait à peu près 1000, et j'en ai fait passer une plus petite avant. Mais donc, en général, ça se passe sur plusieurs... alors, la dernière s'est passée sur 4 mois, donc de mars à juin. Ça fait 4 mois, ça. Et celle d'avant, par contre, c'était passé sur moins de temps que ça. Mais du coup, sur ces 4 mois-là, si en fait, à un moment donné, quelque chose ne se passe pas bien, ça peut vraiment faire perdre un moment de données, en fait. Et donc, toutes ces phases-là, c'est un peu des phases où quand même il y a un peu de pression, parce que faut pas oublier de matériel, faut pas oublier de choses comme ça. Mais vraiment, je pense que l'un des moments où j'ai le plus peur, c'était quand même cette première fois où ça marchait pas. Alors, une question, c'est que pour les classes avec des jeunes normaux, alors, voilà. Alors, moi, oui. Alors, moi, les expériences que j'ai menées, en effet, c'était... moi, les expériences que j'ai menées, c'était en effet dans des classes, entre guillemets, avec des enfants typiques, qui n'ont pas de problème de santé particulier, ou en tout cas, qui n'ont pas de profil atypique. Par contre, il y a aussi, dans mon laboratoire, il y a quelqu'un qui fait de la recherche sur les enfants autistes, par exemple, et qui fait aussi de la recherche sur les enfants avec, qui ont du retard. Donc, je ne connais plus les termes, je n'ai pas envie de dire de termes qui soient... dégradants. Dégradants, en tout cas, voilà. On a compris. Qui ont pu utiliser ce que je fais. Mais moi, effectivement, la recherche que je fais, n'est pas orienté en fonction de profils particuliers. C'est vraiment tenter d'avoir des idées sur des personnes normales, c'est-à-dire sur des qui ont des facultés d'apprentissage normales, donc dans le sens qu'ils sont dans la moyenne, et qui ont des profils motivationnels et ou en tout cas qui sont caractérisés par des traits normaux qui entrent dans la moyenne. Alors, tout à l'heure, tu as dit un truc, tu as dit, je me suis senti vraiment pas bien, ou j'étais vraiment pas bien. On va arriver sur la question juste après. Okay. Ça veut dire quoi, te sentir vraiment pas bien? À ce moment-là, déjà, j'ai pas beaucoup dormi pendant les quelques jours, à base de 2 ou 3 heures par nuit. Okay. Donc, il y a tout le stress. Donc,
Enfin, après, moi, c'est moi parce que. Ouais, voilà, non, mais justement. Mais, si j'ai le décrire un tout petit peu. Ben, du coup, ouais, t'es très stressé, t'es à regarder tout, t'es très fatigué, donc très irascible aussi. D'accord. Ben, je me suis surpris à pas être sympa avec des enfants. D'accord. À ce moment-là. Ok. Donc voilà, un enfant qui est un petit peu énervant, pas être patient du tout, à le renvoyer en classe, donc voilà, donc d'être vraiment, comment on dit, ouais, irascible en tout cas. Okay. Voilà. Ce que je ne suis pas du tout d'habitude, quoi. D'habitude, quand je suis dans mon état normal, okay. je suis pas sur avec les gars. Voilà, plutôt cool, quoi. Je suis plutôt cool. Ça va. Et d'ailleurs, j'ai appris énormément de choses ouais. au cours de ces différentes expériences sur comment on peut, ben, comment on gère, en fait, quand on a, par exemple, des classes de 15, 20, 30. Alors, non, nous, on a essayé de faire en sorte de ne pas avoir 30. On faisait ouais. toujours d'avoir par groupe maximum 15. Okay. Et moi, un truc que j'ai appris, qui est génial, que je conseille à tout le monde, s'il y a des gens qui vous écoutent, si vous avez affaire à beaucoup d'enfants, c'est que s'ils font trop de bruit, vous vous mettez à chuchoter petit à petit, donc à diminuer vous-même le niveau sonore. Quoi. Et en fait, ils se mettent à chuchoter tout seuls aussi. Alors ça, ça marche, je pense que dans certains cas, si jamais de base, ouais, ils sont super excités, etc. Et en fait, ça marche super bien. Et j'ai vu une prof qui a fait ça, j'étais dans la classe, et là, elle parlait, et puis là, bon, ça commençait à s'agiter, et là, elle s'est mise à chuchoter petit à petit, et le niveau sonore de la classe, il a fait... Je fais, oh, c'est quoi ce tour de magie? Enfin, voilà. Et donc, du coup, si on passe à la suite. Voilà. Ok, bah alors, du coup... parce que moi, il y a quelque chose qui m'a marqué, puis là, je vois par rapport aux questions. Donc, tu parles d'école, tu parles de 1000 élèves. Oui. Donc, est-ce qu'il y a des tablettes à toutes les écoles qui sont fournies? Est-ce que c'est des classes complètes qui viennent? Tu m'imagines que ce n'est pas des entretiens individuels. C'est moi qui y vais. C'est toi qui y vas? C'est moi qui me balade. Donc, j'ai une énorme mallette dans ouais. laquelle il y a 30 tablettes. D'accord. J'ai deux routeurs, okay. deux ordinateurs. Okay. Donc, pour la dernière expérimentation, en tout cas, c'était comme ça. La première, j'étais tout seul. Ouais. Mais la dernière expérimentation, donc on était à chaque fois deux. Ouais. Donc, on faisait deux classes en parallèle. Mm-hmm. Donc, on a un set de 30 tablettes, deux routeurs Wi-Fi et deux ordinateurs. Donc, on fait tout tourner en local, en fait, pour qu'on ne soit pas contraint par le réseau de l'école, qui ne sont pas forcément toujours bien. Et donc, en fait, on se balade au travers des X écoles. Je sais pas, en tout, on a dû faire une vingtaine d'écoles. J'ai dû faire entre 20 et 30 écoles sur les 8 ans. Et donc, voilà, les classes, ensuite, se jouent sur les tablettes qu'on amène. Okay. Donc, aujourd'hui, ça poserait des petits problèmes d'un point de vue Covid. Hein, mais, Bah, à l'époque, en tout cas, ça marche. Alors, on n'avait pas trop de problèmes. Okay. Et voilà, on travaille avec le rectorat, en plus. Enfin, en tout cas, sur les dernières expérimentations. Voilà. Ah non, mais on a vécu, hein. Non, il n'y a jamais eu de mal, hein. Alors, il y en a un, je crois, un coup, qui a essayé de repartir avec une tablette, mais bon, ça se voit tout de suite parce qu'on les compte, elles sont numérotées. Donc, voilà, on regarde, on fait les produits. Ouais. Mais non, sinon. Parce qu'en fait, on est avec eux. En fait, c'est-à-dire que j'arrive dans la classe, je prends un demi-groupe, mon collègue prend l'autre demi-groupe, on les emmène dans une classe, on les installe tous donc, sur des tables séparées, avec une tablette devant eux. Donc, les tablettes sont préprogrammées, en fait, parce que le but est qu'on puisse, vu qu'on va revenir plusieurs fois, en fait, l'idée, c'est qu'il y a, par exemple, 4 sessions de travail. Donc, ils arrivent, ils se mettent devant les tablettes, ils jouent. Donc, enfin, ils passent l'expérimentation. Quand l'expérimentation est finie, ils retournent en classe. Et donc, les tablettes restent dans la salle où on est. Et en général, on fait en sorte de faire plusieurs classes, en fait, par demi-journée ou en tout cas par journée. Et donc ensuite, ce sont les élèves d'une autre classe qui vont venir travailler, sur lesquels on aura reprogrammé pour les nouveaux élèves, enfin, qui puissent passer l'expérimentation. Donc il n'y a pas vraiment de possibilité de vol, en fait. Ok. Et c'était avec des enfants de 7-8 ans. Donc, voilà. Comme je vous dis, il y en a un, je prends un coup, qui essaie de faire la blague, de repartir, mais c'était plus pour la blague, je pense, qu'autre chose. Quoi. Ouais, je vois l'idée. Voilà. Je vois l'idée. Donc on a parlé de joie, de peur. Maintenant, si on parle de colère, un truc qui t'a énervé. Un truc qui t'a bien énervé, tu vois. Alors, il y a des trucs qui m'ont énervé. Si tu veux en dire un, le truc qui t'a le plus énervé dans ton métier. Ah, ça peut être intéressant parce que c'est en plus c'est un truc qui arrive. Alors, je sais pas si c'est le plus, en vrai c'est compliqué le plus. Mais genre, ouais, mais bon, c'est pas grave. Donc en lien avec mon directeur de thèse, ouais. Donc, qui était mon premier directeur de thèse. Mm-hmm. Et donc en plus c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment en recherche. D'accord. Donc comme ça donne. C'est-à-dire qu'en fait, il peut arriver que le directeur de thèse s'en aille pendant la thèse.
Et donc, la question est de comment est-ce qu'il fait ça? Enfin, c'est-à-dire la forme que ça prend. Et donc, nous, par exemple, donc, on était plusieurs doctorants dans mon labo à l'avoir comme directeur de thèse. Et en fait, on a appris en réunion d'équipe, 2 semaines avant qu'il s'en aille, notre directeur d'équipe, donc, qui a été ensuite mon directeur de thèse, nous dit, Manuel a quelque chose à annoncer. Emmanuel nous dit, il s'en va. Voilà. Il s'en va, il part à Lisbonne. Et donc nous, on lui dit, mais tu reviens quand? Bah, jamais. D'accord. Voilà. Et donc il partait. Et il laissait, voilà, ses thésards, là, sans nous avoir rien dit. Donc d'un point de vue relationnel, c'est quand même très bizarre. Et c'est assez énervant, quoi. C'est-à-dire que, voilà, c'est un des points qui m'a quand même pas mal énervé, qui nous a un peu même choqué, quoi, parce que ça se fait pas, quoi. Et en fait, ça arrive, ça peut arriver. Donc, en fait, ça, c'est quelque chose, déjà, la relation qu'on a avec son directeur de thèse est très importante quand on est en thèse. Et donc, voilà, donc ça, c'était quelque chose qui nous a, enfin, moi, qui m'a assez profondément énervé. Je trouve que c'est. Enfin, surtout que ça faisait plusieurs années que je travaillais avec lui, en fait, parce qu'en fait, avant ma thèse, j'ai fait 2 ans d'ingénieur. Donc, c'était au bout de 3 années de travail avec, et au bout avec qui, enfin, il y a toujours un petit peu, des fois, des petits accrochages, Bien sûr. des désaccords, etc. Mais on s'était toujours très bien entendu, et voilà. Et donc, ça nous avait vraiment surpris, et moi, ça m'avait profondément, enfin, déçu, en plus, de cette part, quoi. Ok. Je veux dire, celui-là, je pense que c'est. Je vais pas parler politique. Ça marche. Alors du coup, donc, est-ce qu'il a été remplacé et est-ce que ça t'a mis en... Non. Alors, moi, de base, en fait, j'étais en co-direction donc avec mon chef d'équipe actuel. Ok. Et donc, c'est juste que mon chef d'équipe, du coup, entre guillemets, est devenu seul directeur de ma thèse. Donc, lui, ça l'a mis en difficulté, en fait, plus que moi, parce que moi, ça faisait déjà plusieurs années, en fait, que j'étais dans l'équipe, j'étais quand même assez autonome. Mais j'ai eu d'autres, mes autres camarades, enfin, mes autres collègues, qui étaient aussi bah, camarades, du coup, vu qu'on était étudiants, quand même, de thèse, qui, eux, n'avaient que Manuel, par exemple, comme directeur de thèse, et qui, eux, se sont retrouvés, ben ouais, plutôt dans la panade, quoi, et c'était, du coup, ça a été surtout pour mon directeur, donc, de thèse, enfin, mon directeur d'équipe, qui a eu beaucoup de problèmes, parce que lui, il a dû se récupérer, donc, 3 étudiants, qui, de base, n'étaient pas prévus, parce que, en fait, il a des quotas, et puis même, encadrer 3 nouvelles personnes, ben, ça fait que lui, s'il n'avait pas prévu, ben déjà, pour son encadrement, des gens qu'il a déjà encadrés, ben, ça fait perdre du temps. Enfin, il a déjà un emploi, c'est quelqu'un qui a déjà un emploi du temps très serré. Et donc voilà, je pense que c'est plutôt pour mon directeur d'équipe que ça a été un gros problème. D'ailleurs, je crois que ça a été une des seules fois où je l'ai vu pas content. Un jour, voilà. Donc voilà, mais pour moi, ça n'a pas été tant difficile. Par contre, voilà, j'ai eu 2 autres collègues pour qui ça a été. Plus dur C'est parce plus dur. que voilà, OK. beaucoup plus dur. Moi, c'est surtout que là, ça m'a énervé parce que, juste d'un point de vue, ça se fait pas, quoi. Enfin, dans le sens où il aurait pu nous le dire avant parce que ça faisait longtemps qu'il le savait. Il savait qu'il avait été pris dans son labo à Lisbonne bien avant. Après, voilà, il retournait chez lui, il avait des enfants là-bas. Enfin, ça se comprend, je veux dire, mais c'est juste, c'est pas. Enfin, si notre chef d'équipe lui a rien dit, potentiellement, on l'aurait pas su, quoi. Genre, il serait parti, on aurait dit Emmanuel. Ah bah il est parti à Lisbonne. Ah bah, combien de temps? Ah bah pour toujours. what? Voilà. Donc il a pas été remplacé en fait. Enfin il a été, il y a pas eu quelqu'un qui a été embauché pour le remplacer. C'est le directeur d'équipe qui était déjà présent qui a pris la charge de travail que Manuel aurait dû. Ah j'ai dit trop, j'ai dit son nom. Bon, tant pis, c'est Oui, pas mais grave. c'est pas grave, je l'ai dit plusieurs fois, C'est pas grave. c'est son prénom. Son prénom, son Voilà. prénom. Et donc maintenant, si on va sur la dernière émotion, donc l'émotion de tristesse, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a attristé, fortement attristé, situation, un truc Attristé. peut-être Ah si, déception, ouais. si, ouais, si, quand on n'a pas les résultats qu'on veut, évidemment. Ah. Évidemment, quand on fait des expériences Ouais. et que bon, bah, soit on n'a pas de résultats exploités, soit voilà, la fameuse question de la recherche et qu'on trouve pas, quoi. Enfin, qu'on trouve pas ce qu'on veut, plus exactement, parce qu'on trouve toujours quelque chose. Mais voilà, et qu'on trouve pas ce qu'on espérait trouver, plus exactement. Et donc, oui, là, ça peut amener. Ce qu'on dit souvent, en fait, c'est donc typiquement de ne pas avoir ce qu'on appelle des résultats significatifs. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est quand on fait des expériences, on va créer de la donnée.
Donc l'idée ensuite va être de comparer. En fait, on fait tout ça. On va travailler par comparaison, c'est-à-dire qu'on va comparer par exemple des élèves qui ont travaillé avec moi, ma technologie, avec d'autres élèves qui n'ont pas travaillé avec ma technologie. Et donc le but est de voir est-ce que ceux qui ont travaillé avec ma technologie ont mieux appris que ceux qui n'ont pas travaillé avec ma technologie. Et donc, s'il n'y a pas de différence significative, ça veut dire que donc d'un point de vue statistique, on n'arrive pas à établir de lien causal entre un apprentissage, comment dire, une amélioration de l'apprentissage et ma techno, eh ben c'est comme si, entre guillemets, j'avais rien fait, quoi, à Je peu de choses vois. près. C'est arrivé du coup? Ça arrivait, oui, plusieurs fois, à plusieurs moments, donc sur certains points. En fait, ça arrive toujours parce que enfin, ça arrive toujours. Donc, nous, on a énormément de mesures. Donc, j'ai mis en place énormément de mesures, en fait, au sein de l'apprentissage et au sein de. On a aussi des mesures motivationnelles, en fait. On essaye de. Nous, on a un laboratoire qui travaille beaucoup sur la motivation. Et autour des questions de motivation, comment est-ce que les humains, enfin, comment, quels sont les mécanismes motivationnels chez l'humain, comment est-ce qu'ils fonctionnent, comment est-ce qu'ils sont activés, enfin, etc. Donc voilà, et donc en fait, sur toutes les batteries de mesures que j'ai, il y a toujours certaines mesures sur lesquelles il n'y a pas de résultat significatif. Donc voilà, donc c'est toujours un petit peu décevant et toujours un peu triste. Et donc même j'ai déjà fait des expériences, des expérimentations, voilà, qui peuvent durer plusieurs mois. Et à la fin des plusieurs mois, tu fais ton analyse et c'est pas significatif. Donc t'as un peu rien, quoi, à Ouais, dur. publier, c'est pas ouf. Et puis même du coup, un truc sur lequel t'as bossé, en gros, ça fait plouf, quoi. Ouais. Aïe, Donc aïe, aïe, là, c'est le coup d'accord. dur. Là, c'est le coup Coup dur dur. pour le français, là. Et voilà. Donc Ouais, oui. c'est Donc l'idée. ça, voilà, c'est dans le milieu de chercheur, je pense, c'est un des moments qui est plus difficile. Ok. Après, voilà, après, faut savoir, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est justement pour la recherche, en fait, on entend toujours parler, ben, des gens qui trouvent. C'est ah, nouvelle percée dans tel domaine, hein. Mais en fait, il y a une percée pour, entre guillemets, 10 gens qui ne trouvent pas, en fait. Et sauf que ces personnes qui ne trouvent pas, c'est C'est quoi très le ratio à important. peu près? Non, je dis ça, je connais Oui, mais pas. si... Alors, aujourd'hui, tout le monde Feeling. trouve. Ouais, tout le monde trouve. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a des obligations de publication, en fait. Puisque D'accord. les laboratoires sont soumis à ça pour avoir des financements. Ok. Donc c'est un énorme problème derrière de la recherche, aujourd'hui, Ouais. qui sont des obligations de résultats, en fait. Alors que ça va à l'encontre Bah oui. de l'idée et de ce pourquoi la recherche est faite, en fait. C'est normal de ne pas trouver en recherche. Justement, le but, c'est d'explorer, en fait. Et donc, bah, quand on explore, c'est normal de ne pas trouver. On est sur, par exemple, la carte au trésor. Voilà, on a une carte, bah, on n'a pas la petite croix sur la carte. Ah bah avant de le trouver, le trésor, va falloir chercher à plein d'endroits, hein, avant de le trouver. Et ben c'est la même idée. D'accord. Sauf que voilà, sauf qu'aujourd'hui, en fait, c'est les courses à publication pour les laboratoires, parce que si tu publies pas, ben t'as pas de. Et donc les gens vont publier sur des petits trucs, sur des machins, sur des interprétations. Et donc en fait, aujourd'hui, entre guillemets, tout le monde trouve, mais après tout le monde ne trouve pas le grand truc, la grande percée, voilà, Ok. etc. Alors, donc, on a parlé du coup de moments un peu de fierté, finalement, après avoir eu le moment où tu as eu le sésame du doctorat. Bah, fierté, c'est pareil, en fait. C'est le Ouais. moment où on trouve, entre guillemets. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire Ouais. que c'est les deux cas, quoi. C'est Ouais, vraiment, voilà, où il se passe un truc, on quoi. a ses données, on est là, on Ouais. regarde, on attend, on crée ses graphes, on fait ses stats, et là, c'est le sésame, quoi. C'est On le sent, est-ce hein. que. On Bah, sent voilà, un c'est truc, ça. hein. On le sent. Hein. C'est ça. Et Donc, donc, du coup, ouais. bah, si on trouve, si les résultats sont bons. Bon, alors, il y a toujours le petit truc, bon, on vérifie, parce que bon, si les résultats sont bons, faut pas non plus se dire, ah, oh, trop bien, faut quand même, on recheck, on Ouais. revérifie, pour être bien sûr bah, dans les deux cas, en fait, que ce soit bon ou pas, faut toujours fact-checker, enfin, voilà, bien vérifier que la procédure est bonne, que ce qu'on a programmé pour faire les analyses statistiques sont bien, voilà. D'accord. Parce que bon, si on se met sur fou de joie et qu'en fait on s'est trompé à un endroit, on n'a pas mis le bon coefficient, et du coup voilà, Ouais, je vois. donc voilà. Mais oui, c'est toujours le moment quand même. Voilà. Alors du coup, est-ce que tu es rémunéré pendant la préparation de ta soutenance? Alors ça c'est. Alors de base, oui, dans le sens où normalement, c'est compris dans les 3 ans de thèse. C'est-à-dire que l'idée, c'est que tu vas soutenir à la fin de tes 3 ans, en fait. Et donc tu es financé. Alors, tu es financé.
Alors, il y a plein de thèses aujourd'hui qui ne sont pas financées. Moi, j'ai la chance... Prends le cas de ton exemple. Alors, moi, dans mon exemple, j'étais complètement rémunéré pendant l'ensemble de... quand j'étais présent au laboratoire, en fait. Et ce qui est le cas dans tous les laboratoires d'informatique, car c'est un domaine qui rapporte beaucoup d'argent. Mais il y a énormément de domaines, en fait, dans lesquels il y a des thèses qui ne sont pas rémunérées. Et donc, ce n'est même pas une question d'être rémunéré pendant sa soutenance ou pas. C'est une question de, il y a des thèses qui ne sont pas du tout rémunérées en histoire, par exemple, en histoire de l'art, en psychologie, en voilà, donc tous les domaines, entre guillemets, un petit peu sciences molles, en sociologie, voilà, c'est des domaines où, en fait, la rémunération des thèses n'est pas du tout obligatoire. Okay. Et voilà. Donc ça, après. Souvent, ouais, ils vont avoir un travail à côté, ils vont faire des piges ou enseigner en fac, ce genre de choses, mais oui, ils vont avoir une autre source de revenus. Et c'est assez terrible. Ben, déjà, ça veut dire qu'ils vont prendre beaucoup plus de temps pour faire leur thèse, ou en tout cas, c'est, enfin, ça va être beaucoup plus compliqué, ils vont devoir travailler chez eux voilà, le soir. Enfin, voilà. C'est beaucoup plus compliqué de faire des thèses dans les sciences molles que dans les sciences dures. Donc toi, maintenant, qui es en sciences dures, donc dans l'informatique, là, l'idée, c'est de continuer un petit peu, on va passer sur une troisième partie de l'interview, où après, le contexte et les émotions, c'est essayer de parler un peu d'une journée type. Alors, tu m'expliquais que c'est difficile, parce que, comme tu m'as expliqué tout à l'heure, ça va vraiment dépendre des phases. Mmh, tout à fait. Mais est-ce que, pour toi, il y a une journée type en particulier, ça te paraît pertinent, ou est-ce qu'il faut plutôt parler un peu plus large? Alors, je peux essayer de donner une journée type, entre guillemets, théorique. Théorique, je préfère pas, et plutôt une que tu as... Que moi, j'ai déjà vécu. Ouais, voilà. Bon, bah déjà, le matin, souvent, il y a la lecture. Alors, du coup, tu vois, là, je vais passer sur un autre mode, et on va essayer de remplir ça ensemble. Ok. Donc, là, tu nous dis, en fait, première étape, donc on a la lecture. Voilà, souvent, le matin, ça va être de la lecture, lire, faire de la veille, en gros, technologique, lire un peu ce qui se passe, s'informer, regarder s'il y a eu des papiers dans certaines conférences qu'on fait le buzz, entre guillemets, enfin, voilà. Donc, faire de la veille sur le domaine, ou en tout cas, faire de la veille technologique. Alors, on va y aller étape par étape, hein, excuse-moi, je vais... Il n'y a pas de souci, vas-y. Est-ce que ça, c'est plutôt un moment qui est stimulant? Oui. Si tu devais... donc, en gros, tu vois, là, l'idée, c'est étape par étape. C'est prendre des papiers, mais c'est pas une chose. Mais oui, c'est une partie... Enfin, c'est stimulant, oui, c'est relaxant, plutôt. C'est tranquille, quoi. Tranquille, ok. Donc, j'ai pas de la grosse psytrance dans les oreilles à ce moment-là, voilà, c'est plus tard. Du coup, c'est plutôt... plutôt peinard, si je comprends. Ouais, plutôt donc, peaceful. Voilà, ouais. Donc, j'ai pas encore tout traduit en français, mais c'est pas très grave. Tac, donc plutôt peaceful, quoi, le matin. Voilà, plutôt peaceful. Enfin, le matin, voilà, une partie de la matinée. Voilà, ok. Ouais. En tout cas, c'est... quand t'arrives, c'est ça que tu fais. Tu commences en lisant. Moi, c'est ça, en lisant des trucs. Voilà. Ok. Ensuite. On va prendre l'exemple de réunion, pour faire plus simple, pour organiser le truc. Donc réunion de travail, soit sur un projet, sur quelque chose. Alors, sur quelque chose que tu as vécu, donc ce serait quoi? Sur un projet, par exemple? Un projet, ouais, sur lequel je suis, de transfert, par exemple. D'accord. Donc, transfert de ma techno, ou enfin, sur un projet de recherche, peu importe. D'accord. En fait, non, sur un projet, peu importe lequel, sur un projet, et donc questionnement de qu'est-ce qu'on fait sur le projet, quoi. D'accord. Comment est-ce qu'on s'organise sur les prochaines étapes, sur les prochaines phases. Par exemple. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que tu finalement t'es pas seul quand tu fais de la recherche? Non, t'es rarement vraiment complètement seul. D'accord. Enfin, il y a énormément de phases où on est seul. Là, je prends un exemple. Il n'y a pas toujours des réunions. Hein. C'est juste, ouais, je prends un exemple. Où, mais ça permet en fait d'avoir un exemple. C'est juste pour essayer de rendre ça plus concret, ouais, pour tout qu'on fait. Puisse se tout projeter. Fait. Donc voilà, exemple, il y a une réunion. Donc imaginons, on a un projet il y a un projet sur lequel on travaille. Et donc, on a fini certaines étapes. Il faut, on a voilà, par exemple, tel module entre guillemets a été codé. Tous les acteurs ont fait ou tout chacun a fait sa part. Donc, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Comment est-ce qu'on va faire évoluer le truc? Ou sinon, on revient, on discute de s'il y a eu des difficultés, s'il y a des questions sur certains points. Enfin voilà, c'est vrai que. J'ai pris une réunion, c'est vrai, générale, j'ai pas pris une réunion en particulier. C'est pour ça que je te demande d'essayer
Ah, du coup, plutôt, disons, travailler sur, ouais, sur un travail ensemble, sur, avec des questions. Disons, questions de qu'est-ce que, qui doit faire quoi, comment, etc. D'accord. Ok, donc ça, généralement, ces moments de réunion, c'est quelque chose qui te... Ouais, c'est très intéressant. Moi, j'aime Très intéressant, bien. c'est... Moi, j'aime bien souvent, ben, c'est des moments d'échange, c'est des moments où on va co-créer, quoi. On va, voilà, on va répondre à des questions, on va réfléchir D'accord. ensemble, on va. Donc, Plutôt content, motivé, c'est vraiment haut en mode de satisfaction, quoi. ouais, c'est, ben, et puis c'est assez prenant quand même parce que faut être attentif. Donc ouais, c'est plutôt motivé, ouais, avec le gros smile, je suis pas sûr. Je suis pas forcément avec le gros smile comme ça. C'est plus plutôt sérieux, tu vois, je dirais. Si t'as serious, Donc, je dirais plutôt serious, tu j'ai vois. pas Serious, mais Ouais. Happy ou lequel ça pourrait être? Soupful. Ah non, Soupful, peut-être pas. Calme, c'est tranquille. C'est Après, on peut le quoi ça? renommer, hein, on peut le renommer, hein. Notre. Ouais, delighted. Et parce que l'important, c'est les émotions. Non, mais motivated. 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 Par contre, motivated, mais pas avec le gros smile. Pas forcément avec le gros smile. Bah, D'accord. parce que c'est très sérieux. En fait, je suis plutôt très sérieux dans ces moments-là parce que c'est des moments qui sont. Si tu pouvais faire un serious, je pense serious, ça serait ce qui me correspond le mieux Ouais, je dans ces comprends. moments-là. J'essaie de trouver un peu, mais les smileys, c'est plutôt des gens qui sourient, quoi. Donc, Y en a pas un avec genre une petite ampoule ou un truc comme ça? On peut mettre ça. Ah bah ouais, par exemple, ouais. C'est un peu ce que tu disais. Ouais, ça, ouais, voilà, sérieux, c'est très prenant. D'accord. Donc, Voilà. c'est prenant. Moi, c'était ça que tu disais. Ouais, prenant, Ok. sérieux, voilà. Ah. Et après, phase de développement. On va faire Ok. du code, donc on. Donc là, t'es quand? Donc, en gros, le matin, tu te Voilà, bah imagine, réveilles, voilà, t'as une réunion. voilà, je me réveille, je lis des trucs avant ma réunion, je fais la Ouais. réunion, on parle des choses à faire. Donc là, imaginons, j'ai des trucs à faire donc sur le code, donc Ouais. parce que moi je fais de l'informatique quand même. Donc on fait du développement informatique. Et donc là c'est motivated et grosse petite transe dans les oreilles, quoi. Voilà. Je code avec de la petite transe. Ok. C'est en général. C'est ouais. Donc là, du coup, c'est des moments toi qui te plaisent finalement. Moi, en général, mon métier me plaît, hein. J'ai pas tant de. Alors, sinon, le plus dur, voilà. Et ben, imaginons, voilà. Là, je fais du développement informatique, et donc fin de journée, écriture. Et là, c'est le moment difficile. Enfin, c'est le moment D'accord. difficile. C'est le moment mitigated. Ça fait partie des choses sur lesquelles j'ai beaucoup de mal. Voilà. Écriture de l'article, là, c'est la partie difficile pour moi. C'est un peu. Voilà. Et pour beaucoup de chercheurs d'ailleurs, pour beaucoup de gens qui font de la recherche, l'écriture c'est la partie pas très drôle et compliquée. Donc voilà. Là c'est voilà où on peut voilà à la page blanche, qu'est-ce qu'on écrit, comment on rédige. Voilà, ça c'est voilà, la partie D'accord. écriture, c'est voilà, c'est la partie. Enfin en tout cas moi c'est vraiment la partie dans mon travail qui je trouve compliquée. Et qui même me stresse. C'est-à-dire le reste me stresse pas, c'est la partie qui me stresse. Stressé? Moi, stressé, ouais. Ok. Alors, du coup, moi, j'aimerais bien comprendre un petit peu Les sur gens font comment alors? Ouais, non, euh, oui, non, on a déjà répondu. Donc, tu parlais en fait d'articles. Alors, moi, ce que je comprenais, c'était qu'il y avait des publications. Publications, j'ai en tête, publication, c'est forcément le gros truc dans un journal, etc. Ou dans une conférence, il y a différents formats C'est ça. d'articles. Donc, en fait, une publication, c'est une publication. Alors, je vais me reprocher. Une publication, du coup, c'est une publication d'articles. Oui, c'est une publication. Quand on parle de publication, c'est un article scientifique. Tout à fait. Alors, un article scientifique, concrètement, c'est quoi? Parce que moi, le matin, je lis des articles sur le monde. Il y en a qui font 3 minutes de lecture, d'autres 20 minutes, mais je pense que c'est pas Alors, ça. un article scientifique, déjà, ça va être c'est qu'il est publié dans une revue ou dans une conférence scientifique, Ouais. avec un domaine. Donc, enfin voilà, dans un domaine particulier. Le plus gros journal scientifique, c'est Nature, que tu connais. Voilà, donc en Nature, ce sont des articles scientifiques. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'un article, c'est un article scientifique? C'est tout le process d'écriture. Donc, tu as en premier l'abstract, donc l'abstract qui est un résumé de l'article. Donc, en général, dans l'abstract, il va y avoir un peu de contexte.
une description succincte du travaux, donc du papier, et une description succincte des résultats. Très important. Et ensuite, un article scientifique. Ensuite, il va y avoir l'introduction. Donc, dans l'introduction, c'est positionnement du papier au sein de l'état de l'art, enfin au sein de la littérature actuelle. Positionnement du papier, tout comme ça, donc avec de la biblio, avec beaucoup de choses comme ça, avec de la chose comme ça. Ensuite, description des travaux, plus poussée que dans l'abstract, évidemment. Et bien évidemment, description donc des contributions, ce qu'on appelle les contributions donc du papier à la littérature. Donc, c'est-à-dire les résultats, en général, ça va être donc des résultats d'expérience. Mais ça peut être aussi autre chose. Il y a des articles qui sont par exemple des reviews. C'est-à-dire que le but de l'article est de regarder tout ce qui a été fait sur un certain domaine et de produire donc une analyse de ça. Donc voilà ce qu'on va appeler donc review en français, je ne sais pas trop comment on peut dire. Ouais. Mais voilà, c'est un autre type d'article. Moi, je n'ai jamais fait de review. Donc voilà. Et donc dans l'article, il va y avoir l'introduction. Enfin, tu veux que je te décrive un article complet ? Je pense que là, on a compris un peu l'idée. Moi, par contre, le truc, c'est que. C'est le rythme, la question que je me pose. Mm-hmm. Est-ce que c'est tous les jours que tu écris des articles ? Là, en ce moment, moi, oui. Moi, oui. Donc du coup, tous les jours, tu en écris un ? Ben, c'est pas t'en écris un, c'est t'écris des parties. D'accord. Donc, du coup. Non, là, ça fait plusieurs mois que je travaille sur mon article. Donc, tu travailles sur un article depuis plusieurs mois. Tout à fait. Donc, toi, t'en publies combien par an des articles ? Un. D'accord, ok. Ok. Même l'année dernière, j'en ai pas publié. En fait, c'est un mec que j'ai pas publié. J'ai publié ma thèse en fait en 2018, mais en 2019, j'ai pas publié. En 2020, j'ai pas publié. Donc en fait, ce que tu dis, c'est tout à l'heure. Mais après, bon, moi, ça c'est rare. Normalement, on publie plus que ça. C'est parce que moi, j'ai fait de l'ingénierie aussi en transfert. Et du coup, voilà. Mais en fait, ça fait même un an et demi que je travaille sur cet article. D'accord. Mais on a refait des expériences entre temps. Donc en fait, un article, ça peut prendre énormément de temps à écrire. Parce que des fois, il faut faire des expériences, parce qu'on veut ramener des choses dans l'article. Voilà. Tu disais tout à l'heure, s'il y a des expériences qui ne sont pas significatives, voilà. Finalement, tu jettes ton travail. Donc, Voilà, tu peux tenter de refaire des expériences, ou sinon, en écrivant l'article, tu te rends compte de certaines choses, et du coup, tu vas vouloir refaire des choses, etc. Okay. Sur, par exemple, voilà, s'il y a des résultats où tu dis, ah oui, mais non, en fait ça ne va pas, j'aimerais bien voir d'autres choses et pouvoir l'ajouter. Donc voilà. Donc voilà, et en effet là c'est plutôt je continue d'écrire l'article. Les articles scientifiques, c'est en général ça prend beaucoup de temps. Alors j'ai connu des gens qui arrivaient à écrire des articles en quelques jours, mais souvent c'est pour des conférences. C'est-à-dire qu'en fait déjà pour quand t'écris pour des conférences ou des revues, ce n'est pas la même chose parce que déjà les articles de revue sont souvent beaucoup plus longs. Okay. Et vont souvent être de plus grande qualité et vont tenter de présenter des résultats plus importants, enfin en tout cas plus déterminants et plus importants que dans des articles de conférence. Alors c'est pas toujours vrai, hein, mais on va dire si on veut comparer. Ouais. En moyenne, c'est combien de pages un article, combien de pages Word Alors les articles de conférence. Les deux. Voilà, articles de conférence, il y a un format souvent 4 pages ou 8 pages. D'accord. Et après, les articles de journal, ça peut être 8 pages, mais ça peut être 30 pages. En moyenne, du coup, c'est une dizaine de pages, c'est ça que tu dis ? À peu près. Ouais, revue, on va dire 10 pages, mais c'est vraiment variable. En fait. Ouais, je vois. Mais bon, en tout cas, c'est pas juste quelques petites lignes, quoi. Non, c'est jamais quelques petites lignes. Ça prend pas 3 minutes à lire. Voilà. Alors, ça prend pas 3 minutes à lire, et surtout, ça prend pas 3 minutes à comprendre souvent. Ouais. Donc après, ce qui se passe, c'est quand tu vois, dans la phase de rédaction, de lecture du matin, ouais. En fait, tu lis pas les articles entiers. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va lire les abstracts, un petit peu un petit peu l'intro. Et si les résultats t'intéressent, alors tu vas aller voir les résultats. Si la méthodologie t'intéresse, tu vas aller voir la méthodo. Les articles scientifiques n'ont pas forcément, pour être vocation, en tout cas pour les chercheurs, de tout le temps tout lire. C'est-à-dire que, alors des fois, oui, si tu veux travailler sur un article particulier parce que tout le travail de l'article t'intéresse, alors tu vas te lire tout l'article, essayer de tout comprendre, tout décortiquer. Mais le but, c'est en fait, cet article, c'est vraiment la brique de connaissances que tu poses. Et il faut qu'il soit, entre guillemets, autonome et autosuffisant tout seul. Normalement, une fois que cet article a été publié, normalement, il n'y a pas vraiment de questions à poser sur l'article. C'est-à-dire que tu peux avoir d'autres questions pour certains points. Mais sur les points importants de l'article, normalement, tout est répondu dans l'article.
Et donc l'idée, c'est qu'ensuite cet article puisse être utilisé par d'autres pour appuyer leurs travaux, pour tenter d'autres expérimentations peut-être un petit peu différentes de celles dans l'article, voilà. Ce genre de choses. Okay. Tout le monde y a accès. Alors, ça voilà. C'est un des grands drames de recherche publique. C'est que, alors aujourd'hui, il y a beaucoup de chercheurs qui se battent pour ça, pour ce qu'on appelle faire de l'open access, mais non, de base. Par exemple, les revues scientifiques comme Nature ou Science, qui sont parmi les plus grandes revues scientifiques au monde, sont payantes. Donc il faut payer pour y avoir accès, alors que potentiellement, les travaux qui sont publiés tant ont été financés par d'argent public. Donc voilà, ça c'est un des grands drames de la recherche, et donc il y a de plus en plus de chercheurs qui se battent pour ça, et à savoir qu'en plus, en tant que chercheur, si tu veux publier dans une revue, et qu'à la fois ton travail soit disponible, donc ça s'appelle un open access, donc de libre, bien, il faut que tu payes. Des fois jusqu'à 3 ou 4 000 euros, voire 5 000 euros dans certaines revues. Par article publié. Pour l'article, voilà, pour l'article, si tel article, tu veux le publier dans Nature, par exemple, alors j'ai plus les chiffres exacts, mais dans Nature, mais que tu veux qu'il soit en libre accès, à côté, donc tu payes pour que ton article, et donc tu payes encore quelques milliers d'euros pour que ton article, alors je sais plus maintenant, mais tu payes la revue pour qu'il publie. Non, la revue, toi, tu payes pas pour qu'il publie. Non, faut pas non plus déconner. Alors, ça dépend des revues. Il y a des revues où faut payer pour qu'il publie ton article. Mais non, des revues comme Science ou Nature, non, tu ne payes pas, mais ils ne te payent pas non plus. Hein, voilà. D'accord, oui. Okay. Donc, tu proposes un article qui soit publié parce que tu as fait une découverte scientifique. Donc après, il y a ce qu'ils appellent le peer reviewing. Donc, c'est-à-dire que les articles, en fait, pour être validés, ça c'est une part très importante aussi normalement du métier de chercheur que je n'avais pas parlé parce que moi j'en ai pas trop fait, c'est donc de relire, d'être en fait comité de lecture pour des articles scientifiques. C'est-à-dire qu'en fait, on y a ce qu'on appelle une évaluation par les pairs. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, les articles, il y a des gens qui vont relire de la même communauté et qui vont dire est-ce que l'article est bien ou pas, qu'est-ce qui est à refaire, qu'est-ce qui est pas bon, pour en fait valider que c'est pas quelqu'un qui a juste. Écrit n'importe quoi et que que les méthodologies sont bien respectées, que le protocole est bon, que ce qui est dedans, c'est pas faux. Oui, bien sûr. Voilà, c'est une sorte de fact-checking, en fait. OK. Voilà. Et donc, ces gens-là ne sont pas rémunérés non plus par le journal, évidemment. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a un data-gueule là-dessus, sur la recherche et sur... sur toute l'industrie des publications scientifiques et des revues scientifiques, très intéressant, qui montre les chiffres assez hallucinants. C'est peut-être celui-là, je ne sais pas. Mais c'est peut-être celui-là. Oui, je crois que c'est celui-là. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qui est aujourd'hui au cœur de beaucoup de polémiques et de beaucoup de discussions et beaucoup dans le monde de la recherche. Parce qu'en fait, à une époque, entre guillemets, il y avait une cohérence vis-à-vis de ça, donc il y a par exemple 50-60 ans. Pourquoi est-ce que les articles étaient payants? Enfin, en tout cas, les revues étaient payantes. Parce qu'il y avait l'édition, il y avait machin, il y avait beaucoup de travail, en fait, derrière, dans la publication de la revue scientifique. Ouais. Aujourd'hui, il y en a, c'est purement dématérialisé, quoi. Ouais. Donc, t'as encore, entre guillemets, de l'édition, t'as un peu de travail d'édition, mais ça vaut pas 40 balles par... C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, je pense que la revue Nature, une revue, ça doit être 30 ou 40 euros. Ah oui, d'accord. Voilà. On n'est pas sur le petit magazine Automoto à 5 ou 6 euros. Et sachant que le truc, c'est que tous les labos payent pour avoir accès à ces magazines-là. Okay. C'est-à-dire que Idria, par exemple, a un budget qui doit être de l'ordre de 10 000 euros par an pour les accès aux revues scientifiques. Ok. Bon. Quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûr de mes chiffres, mais je crois que c'est de cet ordre de grandeur-là. Ouais, mais voilà. C'est inverse le monde, voilà. Le métier de donc tout le monde y a accès, de l'accès à la publication. Je propose qu'on revienne un peu sur cette partie-là et éventuellement à la fin. Oui, tout à fait. Donc, je te sens sceptique. Non, tu dis ouais, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est toi qui guide l'interview. Hein, parfait. Je peux me perdre, je peux discuter de sujet pendant très longtemps, donc c'est pas bien. Que tu sois pour nous ressentir. Nickel. Alors, donc, du coup, tu me parles de lecture. Donc, le matin, lecture, réunion de travail, développement informatique, donc un travail un peu plus sur l'avancement de ton projet, l'écriture d'articles. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres moments dans cette journée type, un peu cette journée? Il y a le repas, il y a les pauses café, discussion avec les collègues. Alors, justement, en fait, moi, ça m'intéresse, ces moments-là. Ah, ok. Au milieu, il s'est parsemé, donc tu as les pauses, évidemment. Ouais.
Typiquement le repas, donc où, ça va être un moment d'échange avec les collègues. Alors, c'est vrai que moi, je parle pas tant boulot pendant ces moments-là. Le repas, voilà, on parle plutôt d'actualité. Enfin, dans mon labo, en tout cas, hein, il y a des labos, c'est pas le cas. Hein, mais moi, avec mes collègues, on parle beaucoup d'actualité. On est très, très collapso, Andy. D'accord. Alors, on a une team qui va très orientée sur les questions environnementales et écologiques. On a beaucoup de débats, voilà, sur, par exemple, les derniers trucs qu'on a vus, voilà, les derniers chiffres sur la chute de la population en Amazonie, des insectes, voilà, ce genre de choses. On va parler beaucoup de ce genre de choses. Ou de techniques, nouvelles techniques de permaculture, voilà. On va parler de ce genre de choses, pendant les pauses amis. Alors, juste par rapport à ça, est-ce que c'est parce que c'est le groupe ou est-ce que tu as l'impression que dans l'informatique, c'est des questions qui reviennent de plus en Alors, plus? dans l'informatique, je ne sais pas, mais dans la recherche, oui, enfin, la recherche française, on ne va pas se mentir, c'est quand même beaucoup des gens à gauche, en D'accord, général. ok. T'es quand même dans la recherche publique, t'es fonctionnaire, souvent ça va plutôt être des gens quand même qui sont plutôt intéressés par, entre guillemets, le bien commun, qui vont plutôt avoir ce genre d'idéaux quand même, parce que, bon, faut pas. C'est une question qu'on n'a pas encore abordée, mais la rémunération des chercheurs français, c'est pas ça, quoi. Hein. D'accord. C'est-à-dire qu'un chargé de recherche, par exemple, à INRIA, qui a donc 8 ans d'études, au moins, plusieurs années de postdoc, quand il arrive, il a 1900 euros net. Ok. Voilà. Voire moins. Voire 1850, je crois, chargé de niveau 2 ou 3. Et t'es D'accord. à l'INRIA. Donc, bien payé. Si tu vas au CNRS ou d'autres instituts, ça peut être moins que ça. D'accord. Voilà. À savoir que, par exemple, un maître de conférence, alors je sais pas s'il y en a sur le chat, mais je crois que donc un maître de conférence, c'est quelqu'un qui va être à la fac, ça va être enseignant-chercheur, donc. Donc, pareil, 8 ans d'études, etc. Je crois que ça démarre aux alentours de 1500-1600. Donc, D'accord. pareil. Donc voilà, en termes de rémunération, on n'est pas sur ce. Voilà. Donc du coup, c'est plutôt une population que à gauche quand même. Et donc qui forcément les préoccupations écologiques et ce genre de choses, ça fait quand même partie des débats et des questions abordées, quoi. D'accord. C'est partie des sujets de discussion. Donc bon, après, c'est peut-être un peu bizarre comme question, mais du coup, c'est quoi ton mood à ce moment-là, ton émotion? Oh bon, c'est cool, c'est C'est voilà, c'est cool. tranquille, on discute, on est avec les collègues. Après, en plus, moi là, actuellement, je suis dans une équipe quand même. Voilà, je m'entends très bien avec mes collègues. Voilà, je pense qu'il y a des. Bah, comme partout, il y a des fois, sûrement dans des équipes, ça doit moins bien se passer. Ouais. Mais Mais voilà, pourquoi? Moi, nous. ce qui m'intéresse, c'est Voilà, toi. bah, pour moi, oui, c'est Et un très bon du coup, moment. c'est le top, quoi. Ouais, on est bien, là, voilà, c'est super sympa, quoi. C'est Voilà, on quelque. discute. Ouais, c'est. Non. Bah, happy, quoi, ouais. Happy avec un grand smile, ouais. Happy avec un grand smile, Voilà. oui, par exemple. Ouais, bon, voilà, c'est ça. Ok. Donc là. Hop. Happy avec un grand smile. Et Voilà. donc, est-ce qu'il y a des choses en particulier qui reviennent? Donc, tu m'as parlé d'environnement, par exemple, ça c'est un sujet. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais le midi sur les pauses, un peu récurrentes? Peut-être un peu typiques. Moi, mes collègues, ils jouent à la PS3. Ouais. Ouais, ils Donc. jouent à Rocket League. Moi, j'aime pas Rocket League, du coup, je joue pas D'accord. avec eux. Ouais. Donc, du coup, c'est pas bien. Mais du coup, bah, moi, je vais lire des trucs à moi, par exemple. Je vais lire des mangas, je vais lire un peu sur Facebook. Je vais. Voilà. D'accord. Non pas que je fasse pas le restant de la journée, des fois, Ok, ça marche. Mais ouais, ça va plutôt être un moment où là, je vais faire des trucs pour moi, je vais aller voir d'autres amis aussi du labo qui sont pas forcément en équipe, je vais, voilà. Ok. Je vais faire une petite pause. Et après, bon, bah, la journée aussi est parsemée de pauses café avec les collègues. Où là, bah, des fois, il y a des discussions beaucoup plus. Bah, en fait, on a des espaces café dans lesquels il y a des tableaux blancs, par exemple. Et donc, bah, c'est des occasions de réfléchir, s'il y a quelqu'un qui a un problème sur quelque chose, en discuter. Voilà. Donc, c'est des moments d'échange. Où là, voilà, ça peut être plus à. Voilà, plus sérieux, quoi, avec plus de travail. Plus, voilà. Donc, ça va être un problème, mais du coup, pas forcément sur mes thématiques, en fait. Mais moi, voilà, par exemple, si je suis en train de faire un truc, puis je sais pas comment faire, bon, bah voilà, à tout moment, je propose à un collègue un café, et on en discute, quoi. On parle, voilà, est-ce que. Ah, bah là, j'ai un problème, je vois pas trop comment avancer, je sais pas trop comment faire ça. Et voilà, t'en discutes. Je peux avoir ton avis, enfin voilà. Donc, beaucoup d'échanges. Alors, en ce moment, pas trop, hein, parce que ça, c'est un des grands problèmes, hein, du télétravail total et de tout le monde. Voilà. Voilà. Mais oui, Ok. sinon, les pauses café, qui sont des moments, ouais, tout à fait sympathiques aussi. Donc stimulant quoi.
C'est ça que je comprends. Ouais, stimulant, sympa. Alors, des fois, c'est purement pause, hein. Des fois, on discute. Bien sûr. Voilà. Donc, ce serait tout en haut ou un peu en dessous? Au milieu. Oui. C'est plus, ouais. Calme, je dirais. Calme. Ouais. Okay. Tu vois, c'est un moment un peu quand même de repos, tu vois. Bon, tu viens de te faire 2 heures de session de code. Bon, on te fait un petit café, on va se reposer un petit peu, okay. Se détendre. Voilà. Ok. Discuter même de problèmes d'autres, mais c'est pas en fait discuter des problèmes des autres, c'est pas forcément très gourmand en termes de ça. On fait ça toute la journée, donc en fait c'est réfléchir, c'est cool. Okay. Ah mais c'est ouais, parce qu'il y a des gens pour qui réfléchir c'est pas reposant, tu vois. Justement, c'est ça qui m'intéresse, hein. C'est vraiment d'avoir ton expérience. Ouais. Réfléchir, c'est cool. Bah ouais. Voilà. Non, mais en fait, je trouve que c'est vachement marquant, en fait, comme phrase, tu vois. Ouais, ouais. C'est que ça, pour le coup, enfin, on l'entend pas tout le temps. Bah, je. Ouais. C'est le métier de la recherche, ouais. C'est logique. Ouais. Il y en a qui disent, c'est se prendre la tête, tu vois. Oui. Ouais. Oui, non, mais je vois. Et alors, du coup, donc là, tu vois, on a à peu près une journée, donc lecture, réunion, la pause. C'est plutôt le repas, quoi, la pause repas. Mm-hmm. Un peu de développement, la pause café, l'écriture d'articles. Voilà. Est-ce que pour toi, il y a une autre étape dans cette journée type un peu qui revient? Non, là déjà, c'est une journée bien chargée si j'ai fait tout ça. Hein. D'accord. Ça arrive pas tous les jours. Hein. Ouais. Souvent, ça va. Bah, en fait, oui. Souvent, ça peut être un truc, tu vois. Ouais. Enfin, la lecture le matin, toujours. Ouais. Mais souvent, ça va être soit je fais que l'écriture avec. Des fois des réunions hein, dans la journée, mais souvent ça va être soit je vais faire que du code. Voilà. Il y a des fois où je fais un peu de code, où je me mets un petit peu sur l'écriture, mais voilà. Je pense qu'on comprend, c'est peut-être un peu. Bah, voilà. Bien sûr qu'il n'y a pas des réunions tous les jours, voilà. Tout le monde peut c'est comprendre. Voilà, mais c'est plus pour l'idée de donner plus une image. Ouais. Après, bon, bah, des fois il se passe d'autres trucs dans la journée. Hein. Des fois, bah, typiquement, si je suis en expérimentation, je ne fais pas tout ça. Ouais. Si je suis en expérimentation, je passe ma journée dans les écoles. Okay. Et donc, du coup, c'est toute autre journée. Ouais, je comprends. Si tu devais me la résumer, je ne vais pas forcément l'écrire là, mais. De manière très courte, enfin très courte, synthétique, c'est quoi une journée d'expérimentation dans une école pour toi? Tu te lèves à quelle heure? Voilà, c'est ça. Tu te lèves à quelle heure? Qu'est-ce qui se passe? Bah, de base, je me lève plus entre 9 et 10 heures normalement. Ouais. Enfin, en gros, je starte vers 10 heures en général de travailler. Ok. Là, dans les écoles, c'est plus 7 heures. Mm-hmm. Enfin, en fait, dans les écoles, à 8 heures, quoi. Pour start au début des heures de cours, quoi. Donc, okay. Ça start. 8 heures pétantes, quoi. Mm-hmm. Donc en général, c'est se lever entre 6h30 et 7h pour partir parce qu'en plus, tu tapes tous les bouchons de tous les gens qui de base vont emmener leur gamin à l'école, ce que j'ai pas d'habitude, c'est pour ça que je me lève tard. Donc tu vas dans les écoles du coup du coin, oui. Donc de Bordeaux. Tout à fait, dans les écoles de Bordeaux, ouais. Okay. Et puis après, bon bah voilà, et puis après, on fait donc première classe, on lance, on dit bonjour aux enfants, on les installe, on lance sur les trucs, puis après, bon, on les accompagne, hein, on fait de l'encadrement, voilà. Le but, c'est pas non plus les laisser tout seuls face à eux-mêmes dans la tablette, quoi. Donc voilà, s'ils ont des problèmes, si on est là, enfin, je suis quand même là. Donc, après, on a un protocole d'encadrement pour faire en sorte qu'on traite tous les gamins de la même manière pour être sûr de ne pas piéger l'expérimentation. Ouais. Donc voilà. Donc, tout à l'heure, tu disais qu'il y avait parfois plusieurs classes, donc par exemple, ouais. Par journée. Tu vois à peu près combien d'élèves sur une journée, en moyenne? En moyenne, on fait 15, donc 60. 60 élèves en une journée. Peut-être moins que ça, plutôt. Parce que ça va pas forcément. Ouais, voilà, plus 50. D'accord. Donc, pour avoir finalement les 1000 personnes rencontrées, c'est 20 fois ça. 20 jours de. Ouais, 20, fois, 20 jours full de ça, ouais. Ouais, mais. Okay. Mais alors, non, du coup, en moyenne, c'est moins que ça, en fait. Parce que là, je parle plutôt d'une journée entre guillemets classique, mais il y a des jours où on va faire qu'une classe. Ou... D'accord. Tu vois, typiquement, les mercredis, il n'y a que le matin. Ok. D'ailleurs, on ne fait pas les mercredis, en fait. Mais voilà, il y a des journées où on va faire que le matin, et il y en a d'autres où on va faire que l'après-midi, parce que au niveau des plannings des écoles, ça marchait pas. Donc en fait, si on fait une moyenne, il faudrait prendre en fait le nombre de jours que j'ai fait avec le nombre de gamins qu'on a, et t'aurais la moyenne exacte. Ok. Mais mais c'est ça en fait. Non, parce que le truc qui est important, c'est que je les vois plusieurs fois. Dans la dernière XP, je faisais ça 4 fois. Donc, donc voilà. Donc en fait, ça correspond à 200. C'est comme si j'en avais vu 200 en fait. D'accord, ok. Voilà. Et donc 200, voilà. Donc là, 200. Et on a fait 1000 gamins différents. Mmh. Mais je vois chaque gamin 4 fois. D'accord, ok. Du coup, donc voilà. Donc c'est. C'est comme pas, si tu avais 4000 personnes à peu près. Donc, voilà. C'est l'idée. Enfin, du coup, non, parce qu'on a fait ça sur 6 ans. Mais bon, voilà. C'est beaucoup de gens. Ouais. Ça fait. Nous, pour faire les 600, c'était 4 mois. Ouais. 4 mois d'XP pour faire 600 gamins. Ok.
Ça marche. Et tous les jours, donc lundi, mardi, jeudi, vendredi. Parce que le mercredi, on ne faisait pas, mercredi, c'était au labo. Il n'y a pas une forme de lassitude, moi, qui fait beaucoup d'interviews, etc. Au bout d'un moment, tu sais un peu ce qui va se passer. Donc, il y a toujours des surprises, mais toi ça... Avec les enfants, j'aime bien. Enfin, ouais. Alors bon, bah, des fois, quand t'es fatigué, c'est chiant, quoi. Quand ils crient. Oui, tu vois. Il y a des fois, je sors pas à la récré, tu vois, parce que bon, je sais pas comment ils font les profs. Enfin, c'est des héros, hein, parce que... Moi, je pourrais pas, hein, là, quand ça crie tout le temps, là, en permanence, moi, j'en peux plus. Hein. J'avais mon collègue, un coup, qui me dit, mais tu sors pas. Je lui dis, t'entends ce qui se passe, là? Non, moi, je reste dedans, là. On a une interview, il y a deux semaines, d'une éducatrice spécialisée qui nous parlait de... des enfants, et qu'effectivement, quand ils faisaient la sieste, c'était le moment calme. Quoi. Que c'était vraiment... il y a du bruit, quoi. Ouais. Bon, c'est des enfants, mais non, en vrai, il n'y a pas de lassitude. Ben, après, ça fait partie du métier aussi. Ouais. Et en fait, c'est toujours intéressant parce que en fait, tu vois toujours des trucs qui peuvent se passer que tu n'avais pas prévu. Ouais, tu bien sûr. Tu vois des enfants qui apprennent. Donc, c'est toujours... Moi, j'aime bien, tu vois. Ouais, c'est valorisant, quoi. Bah ouais, c'est plutôt valorisant, quoi. Donc, et surtout quand, par exemple, nous, on avait eu un cas, par exemple, d'une élève où sa prof avait été complètement, pas abasourdie, mais très étonnée de à quel point elle avait réussi à avancer avec notre appli, alors que de base, elle avait beaucoup de difficultés. Et en fait, elle avait super bien, enfin, elle progressait vraiment beaucoup, elle était super motivée et tout, et donc c'était vraiment cool, quoi, de voir ça, c'était plaisir, quoi. Ouais. Voilà. Les petites joies, petites satisfactions. Ah, c'est ça, c'est cool, quoi. Ouais, je comprends ce que... Ok, donc du coup, ce que je comprends, c'est que c'est plutôt, ça te plaît, quoi, ton taf. Mon taf me plaît. Ouais. Après, bon, là, ça va faire 7-8 ans, ça va faire 8 ans que je le fais. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a plein d'autres choses qui m'intéressent, donc je me demande si je vais pas tenter de faire d'autres choses, mais c'est vrai que de base, ça me plaît quand même, quoi. Mais bon, dans le monde qu'on vit aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont compliquées. Donc, mais oui, de base, ça me plaît beaucoup, enfin. Voilà, mon but est quand même d'améliorer potentiellement l'apprentissage des enfants à terme, de faire en sorte en tout cas que l'avenir soit radieux pour eux, enfin plus radieux qu'il ne l'est maintenant, qu'il n'est pas d'ailleurs votre... Enfin bon, voilà, peu importe. Donc c'est vrai que de base, c'est quand même assez satisfaisant et plutôt valorisant quand même. Ok, cool. Je te propose de doucement commencer à conclure. Quels pourraient être, toi, les deux conseils que tu donnerais pour que les gens, pour les gens qui ont envie de faire un peu comme toi? Si tu veux, d'ailleurs, tu peux mettre le lien de ma thèse qui, lui, est en libre accès. J'en ai pensé. Alors, tout le monde y a accès. Donc, tu tapes Benjamin Clément, thèse, adaptive. Alors, c'est en anglais, par contre, je peux bien. Voilà, c'est sûr. Tu vas dans accéder en ligne, à droite. Voilà. Ah, donc là, c'est le lien, et tu as le lien vers le PDF sur la droite. Tac, et le lien avec le PDF sur la droite, donc c'est... Ah non, alors il est en dessous, en fait. Normalement. Le fichier, voilà, c'est le fichier. Ouais, la fenêtre, bizarre. Fichier, c'est sûr. Ok. Ah, ça, c'est le PDF. Donc voilà, s'il y a des gens que ça intéresse, d'aller voir à quoi peut ressembler une thèse, voilà. C'est quoi le truc à lire? Ah oui, je m'en souviens. Je m'en souviens de ce document. Donc voilà, 139 pages. Vous ne voyez pas, là, mais il y a 139 pages. Ah, il ne le voit pas, là? Enfin, il ne voit pas le haut. Ah oui, j'ai juste un peu caché ça. Et donc, je vous le mets. Très joliment. Ouais. Donc, c'est un truc à lire, c'est l'intro, hein, toujours. Hein. Avec l'intro qui est en français. Alors il y a un résumé en français, pour les gens qui veulent. Il y a le résumé en français. Voilà. Alors ça, c'est l'abstract, c'est le premier résumé. C'est le petit résumé en français. Ouais. Ensuite, il y a un plus gros résumé en français, le vrai résumé en français. Voilà. Et après, sinon, pour les gens qui sont bilingues, enfin qui sont bien, qui lisent l'anglais, l'intro, et moi j'aime bien mon intro. Je suis assez fier de mon intro. Ok. c'est un peu. Je refais un petit fil historique sur les découvertes en sciences cognitives, sur la motivation, sur l'apprentissage, etc. Donc voilà. Donc l'intro, j'aime bien. Voilà. Et après, bon, si vous allez voir d'autres trucs, voilà. Et après, il y a plein de résultats. Il y a toute une partie théorique s'il y a des gens qui aiment bien les maths, qui peuvent, voilà, aller faire un tour. Apprendre l'algorithmique, mais voilà, sinon l'intro en anglais se fait, il y a des parties, sinon il y a le résumé en français, il y a un autre résumé en français, si vous voulez. Voilà. Ok. Qui peut vous donner des idées. Voilà. Ça marche. Donc tu nous disais, pour conclure. Je te disais, pour toi, c'est quoi les deux conseils que tu donnerais pour les gens qui ont envie de faire comme toi? Alors, ça dépend quelle vision, déjà.
Admettons, il y a quelqu'un qui a envie. Allez, encore en études. Voilà. On va prendre le, ouais, voilà, okay, le conseil pour quelqu'un parce que qui fait quelqu'un des études qui... et quelqu'un qui est intéressé, qui a entre 20 et 30 balais et qui travaille déjà. D'abord, okay, pour un étudiant, c'est quoi le conseil que tu aimerais donner? Alors, bon, on va prendre le cas d'un étudiant qui aime bien le domaine d'études qu'il fait, mm-hmm, donc qui aimerait être chercheur dans son domaine d'études, hein, que ce soit en bio, en physique, etc. Donc, s'il aime bien être chercheur, faut savoir qu'il faut aimer donc lire, c'est, ouais, important, et qu'il faut aimer écrire aussi. Enfin, qu'il faut. C'est pas une nécessité, mais ça sera plus dur si on n'aime pas. Ouais. Voilà, moi je suis un exemple. L'écriture, c'est difficile. Et ça fait que, c'est des parties du boulot qui sont un peu compliquées. C'est un travail où il faut être aussi assez patient. Parce que, voilà, ça prend du temps. C'est des choses, voilà, c'est quand même. C'est pas des travails où on va gagner beaucoup d'argent non plus. On fait pas ça pour l'argent. Voilà, mais par contre, c'est un travail qui est quand même plutôt passionnant, où on découvre des nouvelles choses, où. De base, là, actuellement, c'est pas trop le cas, mais normalement, c'est un travail dans lequel on voyage, parce qu'en fait, on va faire des conférences pour aller discuter avec la communauté, voir les papiers qui sont publiés dans les conférences, faire pour soi-même des présentations. Donc là, tu décris beaucoup. Ce serait quoi, toi, le conseil que tu donnerais à cette personne-là qui a envie d'être chercheur, quoi. Ouais. Qui est intéressé par la recherche, qui a envie d'être chercheur. Un jeune qui a envie d'être chercheur, le conseil. Un ou une jeune. Ouais. Bah de foncer, quoi, de s'intéresser à fond à son domaine, à ce qui l'intéresse. Ça, c'est très important, en fait, de se renseigner, de s'intéresser à fond, de savoir qu'est-ce qui est fait, d'imaginer, en fait. Qu'est-ce que t'aimerais découvrir, en fait, sur tout ça, en fait. D'accord. Parce que plus tu vas vers ça, et plus tu vas tenter de vouloir découvrir des choses et imaginer qu'est-ce que tu veux découvrir. Et en s'intéressant du coup à ça, tu vas pouvoir voir qu'est-ce qui peut être découvert ou pas, donc avancer. Et c'est comme ça que si à la fin de tes études, tu as vraiment envie de devenir chercheur, tu vas pouvoir trouver des laboratoires avec qui tu pourras discuter en fait. Okay. C'est-à-dire qu'un laboratoire, si tu arrives et que tu dis oui, je veux être chercheur, mais que tu n'as pas vraiment d'idée du sujet, que tu n'as pas vraiment. Enfin voilà. Tu n'es pas pris au sérieux quoi. Enfin, c'est pas que tu n'es pas pris au sérieux, c'est que c'est moins motivant quoi. Ouais, c'est-à-dire okay. qu'il faut être assez proactif. Enfin, en fait, c'est quand même un travail qui est assez de passion quoi. C'est-à-dire que ça peut le mettre au boulot dodo, ça marche pas, enfin ça va pas forcément être très bien vécu quoi. Ça okay. faut quand même avoir l'envie, faut quand même un peu avoir la passion quoi. C'est quand même on n'est pas chercheur comme on est je sais pas manager d'une entreprise quoi. C'est quand même pas le même genre de travail. Après je dis pas qu'il faut pas être passionné pour être manager, hein, c'est ouais, pas ça que je veux dire, mais faut la recherche sur un domaine, c'est quand même voilà, très dépendant du domaine qu'on veut faire. C'est quand même, voilà, donc il y a quand même, enfin, moi, je considère que c'est un travail de base quand même où il faut être un peu passionné. Il faut quand même avoir envie de créer des choses pour le bien commun. Quoi, hein, parce que moi, enfin, je considère quand même que c'est un des grands aspects quand même de la recherche publique, qui est que de base, on œuvre pour le bien commun, on œuvre pour la connaissance, okay. on œuvre pour le savoir. Quoi, hein, donc, et alors, du voilà. coup, un conseil pour quelqu'un qui... Alors, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui... a envie de s'intéresser à la recherche, mais qui a déjà un métier, qui a... Alors déjà, ça va dépendre des domaines. Hein. C'est-à-dire que ouais. si tu as 30 ans, que tu n'as jamais fait de maths et que tu veux faire de la recherche en maths fonda... Bon, prenons un cas un peu, un peu logique. Mais... après, il y a plein de gens en fait, qui travaillent déjà... Alors, contacter des laboratoires. C'est-à-dire ouais. qu'imagine, on prend un cas plus simple, un cas entre guillemets viable et faisable, donc tu travailles dans une entreprise. Regarde, par exemple, moi, admettons, ouais. j'ai envie, je me renseigne sur la recherche, sur mm-hmm. des recherches sur la science cognitive, la compréhension, l'écoute. Ouais, l'écoute, tu contactes des labos. Ouais. En ayant lu les travaux, évidemment. D'accord. Il faut lire les travaux des labos pour savoir qu'est-ce qu'ils font. Ouais. Donc, trouve un labo qui travaille sur des travaux qui t'intéressent. Ok. Et après, les contacter. Pour leur dire, moi je m'intéresse à ces travaux-là, j'ai vu que vous avez fait ça, moi ça m'intéresse beaucoup, c'est une question qui m'intéresse beaucoup, j'aimerais développer par exemple, j'ai des hypothèses, des questionnements de recherche sur ces aspects-là, est-ce que ça vous dirait qu'on travaille ensemble, tout simplement. Okay. Voilà. Donc dans ce cas-là, voilà, et donc après là, donc, tu vas pas en... Enfin, en fait ça peut même, in fine, entre guillemets, aboutir sur une thèse. Moi, par exemple, j'ai un collègue qui a fait ce qu'on appelle une thèse sur travaux. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait de master, il n'a pas fait de thèse à proprement parler, mais il a travaillé en lien avec des labos pendant plusieurs années. Et en fait, il a pu publier sa thèse
soutenir sa thèse sur l'ensemble de ses travaux qu'il avait fait en partenariat en fait avec des laboratoires. Okay. Il était enseignant d'ailleurs. C'est un enseignant en fait qui a travaillé beaucoup en lien avec des laboratoires parce que il était très intéressé pour faire tout ça. Et donc qui au bout de après lui c'était à 30 ans quoi, mais ça peut être plus rapide pour des gens qui s'intéressent dedans. Quoi. Mais voilà, faut pas hésiter effectivement à contacter des labos. Alors par contre, voilà, encore une fois, faut pas contacter des labos de manière entre guillemets un peu vide et sans s'être renseigné et sans rien parce que ça c'est ça que tu dis. Ça serait ignoré quoi. Une démarche quoi derrière. Voilà, faut qu'il y ait une démarche, faut que voilà, faut qu'il parce que disons que si vous avez contacté des gens en plus, ça va être sûrement soit des directeurs de recherche, soit des chargés de recherche, c'est des gens qui sont plutôt occupés quand même, qui de base travaillent beaucoup et qui n'ont pas vraiment le temps de lire des mails ou en tout cas de faire des trucs qui vont amener à rien ou de gens qui alors ça arrive des fois on est contacté, on dit ah ouais ça peut peut-être être intéressant, tu discutes un peu avec la personne, tu vois que ça mènera pas à grand chose, en tout cas qu'il n'y a pas vraiment de vraies questions de recherche ou c'est pas des fois c'est juste ah ça m'intéresse de faire des applis éducatives. C'est trop vaste, trop vague, tu vois. Ce genre de choses. Et après, oui, ça, par contre, travailler avec des chercheurs, il y a vraiment plein de chercheurs qui sont très chauds. Si vous avez de l'argent, ils sont encore plus chauds, parce que c'est toujours le nœud de la guerre. Hein. Ouais, c'est ça. Et donc, voilà. Ok. Alors, est-ce que tu souhaites partager tes infos de contact, si on souhaite te contacter Je crois que sur ma thèse, là... Sur la thèse, il y en a Je crois, si on va là... c'est pas Germain Clément. Ah non, pas accès. Bon, après, on peut mettre... Oui, on peut mettre mon email, s'il y a des gens qui veulent me contacter. Je te laisse écrire ici. Non, pas d'accent. Ah, il est très agréable ton clavier. Ah, merci. Ok. Voilà, c'est mon email. Et du coup, voilà, donc là vous aurez l'occasion de contacter Benjamin par rapport à ça. N'hésitez pas. Et je vous propose donc de commencer à conclure. Avant de conclure, quand même, si vous avez des questions encore dans le chat, on est toujours là, encore pendant 3-4 minutes. Je voulais un peu savoir ton ressenti, savoir comment tu avais vécu ces interviews. Bon, ça s'est très bien passé. Je trouvais que c'était guidé d'une main de maître. C'était très plaisant. Moi, je me suis senti tout à fait à mon aise. J'espère que j'ai été assez clair parce que c'est un domaine qui peut être un petit peu compliqué et il y a beaucoup de jargon. Donc j'espère ne pas avoir utilisé trop de jargon et avoir été clair et compréhensible dans mon intervention. C'était très sympa. J'ai beaucoup aimé. Avec des petits recentrages quand je me perdais. C'est mon rôle, c'est mon rôle. C'était bien. C'était très intéressant. C'est top. Je te remercie. Je sais pas si. Je ne vois pas de questions pour le moment, donc Benjamin, on va s'arrêter là. Si jamais vous avez des idées de personnes que vous aimeriez que je puisse interviewer, donc comme je vous dis, moi le concept c'est d'essayer d'interviewer des personnes qui ont des métiers que je vais appeler atypiques, donc ça va être des métiers un peu qu'on ne retrouve pas souvent, ça m'intéresse. Donc on te dit que c'était clair. Super. Bon. Eh bien écoutez, dans ce cas-là, je vous souhaite. On va pouvoir y aller. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à tous. Voilà, bonne soirée à tous. Merci d'avoir été présent. Si jamais c'est pas encore fait, vous pouvez me follow en cliquant sur le petit cœur. la prochaine interview, je ne sais pas encore quand je vais la faire, mais on verra bien. Allez, salut tout le monde. Ciao. Au revoir.